On est là tous les deux, comme chaque jeudi, au rendez-vous de Y'a que la vérité qui compte, le rendez-vous de l'émotion, votre rendez-vous pour passer une excellente soirée, comme d'habitude, avec de très très belles histoires que notre équipe a sélectionnées pour vous. Et on a bien bossé depuis quelques semaines déjà. Bien sûr, et c'est avec un bonheur non dissimulé qu'on va retrouver Rebecca. Rebecca. Qui est là ? Rebecca qui a le sourire. Oui, j'ai le sourire car je suis accompagnée de Cyril qui a accepté l'invitation. Bonjour. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Et pour la petite histoire, quand on a parlé, parce que Cyril est traiteur, et quand je lui ai apporté l'invitation, on a parlé de crêpes. Il a dit qu'il faisait des crêpes absolument délicieuses. Et nous en avons une cinquantaine. Voilà. Oh, la bonne nouvelle. Pour moi, indéniablement, la meilleure nouvelle de la journée. Mais pour moi aussi. Vous êtes dans la restauration, Cyril ? Oui, tout à fait. Où ça ? À quel endroit ? Sur Bordeaux. À Bordeaux ? À Bordeaux en plus, oh là là. Mais alors... Vous voyez, Pascal, que des bonnes nouvelles ce soir. Voilà. Bon, ben on vous laisse tous les deux. Cyril, vous pouvez convaincre Rebecca que Bordeaux, c'est encore mieux que Marseille. Ah, mais c'est une certitude. C'est pas gagné de la convaincre, mais... Si, on peut y arriver, je pense. On peut y arriver. Allez, avec on les vous crêpes. Retrouve dans quelques instants. On referme la loge, bien évidemment, pour pouvoir accueillir sur ce plateau la personne qui a une vérité importante ce soir. Une histoire extrêmement belle, qui nous a extrêmement touchés en préparant cette émission. Elle s'appelle Annabelle, mesdames et messieurs. Par quoi peut-on commencer, Annabelle ? Votre histoire, elle est à la fois simple et à la fois un peu compliquée à expliquer à nos téléspectateurs de manière claire. Vous étiez en couple avec Cyril ? En couple, avec le garçon qu'on vient de voir. Exactement. Vous avez eu deux enfants ensemble ? Tout à fait. Et en fait, on s'est séparés en mars 2023. On devait se marier en fin d'année. Il a eu peur de se marier, l'engagement ? Je pense, oui. Vous êtes restés combien de temps ensemble ? 13 ans. Ah quand même, c'est une vraie grosse histoire, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il vous annonce un matin, Cyril ? Il me dit, c'est fini. Mais du jour au lendemain ? Ouais. Franchement, je m'y attendais pas, parce qu'on était à fond dans le mariage, on préparait tout, enfin... Vous lui en avez voulu ? Ah oui. Blessé ? Énormément. Blessé, très. Il vous a dit quoi ? Il vous a dit qu'il n'est plus amoureux ? Oui, tout à fait. C'est les mots. Et vous l'aimiez encore ? Ah oui. Oui. Vous n'aviez rien vu venir ? Ah non, pas du tout. Ah non, parce qu'il était en train de voir pour son costard, enfin tout. Non, non, j'ai rien vu. Donc là, d'un seul coup, votre vie s'effondre. Oui. Dans l'incompréhension la plus totale. Mm. Et donc les relations se tendent beaucoup avec Cyril ? Oui. Ah ouais, beaucoup. Vous l'avez bien compris, les gens qui nous regardent ce soir doivent se dire, donc elle vient reconquérir son mari. Elle vient lui dire, je t'aime, mon amour, remettons-nous ensemble, etc. Et c'est pas ça, la beauté de l'histoire. En juin, ben, j'apprends que ça va être dur. Je suis désolée. Allez-y, prenez votre temps. J'ai appris que j'avais un cancer. Et Cyril m'a dit, il y a deux questions, je te laisse seule. Voilà. Parce que je lui ai dit, en fait, on est célibataire, fais ta vie. Et il m'a dit, non, je ne peux pas, moi, marcher dans la rue, main dans la main avec quelqu'un et te savoir avec un cancer. Ouais. Voilà, je ne peux pas te laisser seule. Ouais. Il m'a dit, il est hors de question, je te lâche. Ce n'est pas possible. Je reste avec toi, je t'accompagne. Il a été à tous les rendez-vous avec moi. Il a été... Non, partout. Et vous, ça... vous vivez ça comment ça, ce jour-là, et vous êtes évidemment effondré parce qu'on vous annonce cette maladie. Et puis, vous retrouvez cet homme que vous aimez sans doute toujours, même si vous êtes fâché contre lui, et qui vous dit, je suis là. Comment on vit ça ? Mais en fait, je suis tellement dans la douleur par rapport au cancer. Je me dis, waouh, merci. Parce qu'il y en a beaucoup qui seraient partis. Donc, Oui, il avait moins d'obligations, entre guillemets. Ah oui, vous êtes la mère de ses enfants. Dit, bien sûr. Mais bon, amoureusement, il n'était plus votre compagnon. Donc, Je lui ai dit, franchement, tu es célibataire. Tu as droit de vivre ta vie, en fait. Ne t'embarrasse pas avec moi. Exactement. Et non. Non, non, il a voulu me garder. Et je suis repartie chez lui parce qu'effectivement, c'est très dur. Les traitements sont très durs. Et heureusement que je n'étais pas seule. Parce qu'il était là, parce qu'il a subi beaucoup de choses, le pauvre. C'est une très belle histoire, très étonnante, très originale, qu'on a retracée en images. Regardez. Au
Aujourd'hui, Annabelle estime être une femme chanceuse. Entourée par ses amis, aimée par son mari et ses enfants, elle sourit à la vie à chaque instant. Et pourtant, l'année dernière a été une période vraiment difficile pour elle. Après 13 ans de couple, deux merveilleux enfants, Nolan et Timéo, et un mariage à venir, tout est balayé en un instant quand Cyril lui annonce la quitter. Une crise dans leur couple qu'Annabelle n'a pas vu venir. Alors qu'elle tente de digérer cette rupture, deux mois après, une seconde mauvaise nouvelle tombe comme un couperet sur sa vie. Annabelle apprend qu'elle a un cancer du sein. Les traitements vont être longs et difficiles. Il va falloir être forte. Annabelle se sent acculée par les épreuves qui semblent s'acharner sur elle. Et contre toute attente, c'est auprès de Cyril, son ex-conjoint, qu'elle va trouver le meilleur des soutiens. À chaque instant, il sera présent pour elle. Il l'accompagne, la rassure, l'encourage. Celui qui n'est pourtant plus son conjoint ne la laissera pas tomber au moment où elle en a le plus besoin. Et cette terrible épreuve va finalement redonner un second souffle à leur couple. Cyril a peur de perdre Annabelle et refuse de l'abandonner maintenant. Annabelle n'a pas le droit de décevoir Cyril et son amour va lui donner le courage d'avancer. C'est ensemble qu'ils vont se battre contre la maladie, côte à côte. Ils avancent au jour le jour et encore aujourd'hui, le combat n'est pas gagné. Mais à deux, on est plus fort. Annabelle a souhaité inviter Cyril à Y'a que la vérité qui compte, simplement pour lui dire merci d'avoir été là pour elle et que son amour est la meilleure des thérapies. C'est beau. Bien raconté. C'est votre vie, hein. C'est beau. On vous a vu avec les larmes aux yeux quand vous regardez certaines photos. Autant de souvenirs, j'imagine, de tout ce que vous avez traversé. Ouais. Qui est derrière vous maintenant. Et c'est surtout grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à lui, vous dites, que quand dans le petit film, on dit l'amour est la meilleure des thérapies. C'est ce que vous nous dites aussi, au-delà des soins... sans doute très attentif et efficace que vous avez reçu des maîtres des équipes médicales, mais vous n'auriez pas sans doute trouvé la force de combattre s'il n'y avait pas eu Cyril à vos côtés. Je ne connais pas Cyril, moi, mais je l'aime déjà. D'abord, il nous a amené 50 crêpes, donc quand vous dire que ça me parle. Mais quelle force il lui a fallu, et j'imagine que votre présence ce soir prouve à quel point vous l'avez mesurée, cette force. Parce que c'est une situation très, très paradoxale pour lui. Oui. D'être très, très proche de quelqu'un dont il a été très, 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 très proche. Oui. En pleine maladie très complexe, où on sait que tout ce qu'on dit à la personne pour la rassurer, pour lui dire la vérité, on ne sait jamais les bons mots et on ne sait jamais, dans ce cas-là, quel discours il faut tenir. Son rôle, il devait être extrêmement dur, sachant que, par ailleurs, il était celui qui venait de vous quitter. Oui. Donc, c'est vrai. Une position complètement inversée. Parce que j'ai eu des passages très, très compliqués. Même en décembre, j'ai cru partir. Vous avez eu un problème médical. Et là, vous êtes emmené en ambulance à l'hôpital. Avec un pronostic assez défavorable. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand j'étais dans le camion, en fait, là, avant que la porte se ferme, je l'ai vu et j'ai dit non. Je suis désolée. Et j'ai dit, il ne faut pas que je parte. Il ne faut pas. Et je me suis battue. Ce regard avec Cyril qui vous a donné la force là aussi de vous bagarrer contre cette nouvelle épreuve, cette infection qui aurait pu vous emporter. Oui. Et on profite de l'occasion pour le dire. On constate, hélas, que les cancers du sein sont souvent l'occasion de rupture en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont malheureusement la lâcheté de partir à ce moment-là. Et je le confirme. Et de ne pas être capable de vivre cette épreuve-là et de soutenir la femme qu'ils ont aimée et peut-être qu'ils aiment même encore dans ce moment. Puisque, bien sûr. Ce qu'on n'a pas encore, enfin, on l'a compris, mais on ne l'a pas vraiment verbalisé ici, c'est que vous êtes à nouveau un couple aimant. Mais en fait, il a réalisé plein de choses. La peur de la mort. Et c'est là qu'on se dit mince, quoi. On ouvre les yeux sur plein de choses. Mmh. Et moi, ma vie a changé aussi. Parce que je me dis, on n'a qu'une vie. Et je vois beaucoup, beaucoup les choses autrement. Il y a évidemment une épreuve qu'on connaît et que les femmes vivent là aussi beaucoup plus douloureusement, c'est la perte des cheveux. Et là aussi, il y a une anecdote que vous nous avez racontée, très, très jolie. Oui, en fait, il me rasait les cheveux et puis à un moment donné, il se marre rire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, il m'avait fait une couette. Voilà, il s'est tapé un délire avec mes cheveux. Enfin, voilà, on a voulu vivre ça en rigolant. Parce que c'est déjà très dur, donc... Et il vous a emmené à ce moment-là dans un magasin
de cosmétiques, de maquillage, oui, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, déjà, il a fallu sortir. Je voulais mettre, moi, un foulard. Et pour lui, il était hors de question. Fallait que je m'assume. Il me dit, voilà. Il m'a... Voilà, on est parti dans une grande surface. Voilà, et puis il m'a dit... Ah non, tu rentres. Allez, on y va. Et effectivement, on a été dans un endroit pour me faire maquiller. Il m'a dit, vous la maquillez. De suite, enfin voilà. Donc je me suis fait maquiller. Il a été allé me chercher des bouts d'oreilles pour que je me sente bien. Vous vous sentiez plus belle? Oui. Toujours aussi belle, en tout cas. Merci. Voilà, dans ma nouvelle peau, enfin, sans cheveux. Et en fait, tous les jours, après, je me suis habituée et je n'ai jamais mis mes foulards hors au soleil. La question qu'on se pose tous, c'est à quel moment, j'allais dire, l'amour a fait coucou? Quand j'ai terminé mes chimios. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Un matin, vous êtes levée? Il s'est levé, il m'a fait un bisou, j'ai dit « Oh !» J'étais contente au fond de moi. Et j'ai rien dit. Et puis, c'est à la fin de la journée. Je lui ai dit, mais t'es arrivé quoi? Et puis, là, il me dit, je suis étonnée que tu m'en aies pas parlé de la journée. Et voilà, il me dit, mais voilà, j'avais envie. Et il a laissé ses sentiments faire et son cœur surtout. Voilà. On sait, pour évidemment connaître tous des femmes qui ont traversé cette épreuve, à quel point c'est. C'est dur. Difficile. Mais, pardon, je suis moi-même un peu ému. Excusez-moi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, oui. Je suis aussi là, je veux soutenir toutes ces femmes qui ont un cancer, parce que malheureusement, il y a des hommes vraiment pas du tout agréables avec elles. Sur un groupe, voilà, on peut communiquer ensemble, qui ont le cancer du sein, et j'ai vu des mots, mais horribles. Tu commences à nous faire chier avec ta maladie, depuis que tu as ton cancer, on ne te supporte plus, la famille, tu nous... casse les couilles, c'est enfin horrible et quand je vois Cyril où on était séparés et est revenu, voilà, et en fait je veux surtout passer un message pour ces hommes qui sont pas cool. On connaît tous effectivement des femmes qui ont vécu ou qui vivent cette épreuve. Je pense que beaucoup parmi ces femmes aimeraient avoir un Cyril ou avoir eu un Cyril à leur côté. Ah, je pense. Ah, mais ça, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup, des comme lui. Hein. On va en tout cas voir sa réaction quand Rebecca lui a porté votre invitation. Regardez. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes à Carignan de Bordeaux, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. Et ici, on trouve plein de merveilleux édifices, comme ce château, le château de Carignan, qui date du XVIe siècle. Ou encore son église, qui date du Moyen-Âge, et dans laquelle j'ai pu admirer de magnifiques vitraux. Et je vais remettre cette invitation à Cyril. Cyril est traiteur, il est originaire de la région, ça fait 6 générations qu'ils sont là. Et il vit juste là, je vais lui remettre cette invitation. C'est un homme qui aime passer du temps en famille et être avec ses amis. Un bon vivant, quoi. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Cyril? Oui, tout à fait. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Mais écoutez, mais avec plaisir. Merci. Merci à vous. C'est bien lui. Un gros cœur et une grosse voix. C'est bien chez vous? Ah oui. Je disais à Pascal en écoutant la voix, je disais quel accent bordelais. Comment l'accent du sud-ouest, la grosse voix. Ah oui, il a une grosse voix. Hein. Vous êtes donc venu le mettre à l'honneur, le remercier. Est-ce que vous pensez qu'il se doute que c'est vous? Non. Lui, il a autre chose aussi en tête. Ah, c'est quoi? Un enfant. Hein? Un enfant caché. Alors, pour expliquer, avant moi, il travaillait dans le monde de la nuit. Donc, il a eu des relations. Donc, on ne sait pas. Ça peut... Ah, il pense que c'est peut-être un enfant qu'il aurait eu, dont il n'avait pas entendu parler? Ben oui. L'histoire ne serait pas la vôtre. Mais vous imaginez à quel point on aurait pu rigoler avec ça? Ah, moi, j'aurais rigolé. On vous abandonne quelques instants, oui, et on va retrouver le bordelais, là. Oui, à tout de suite. Alors, le rideau se referme derrière nous. On va réouvrir la loge qui était hermétiquement fermée. On vous entend. Alors, juste avant de laisser Cyril vous rejoindre, moi, je voulais dire que ça y est, il m'a convaincu. Donc, pour Bordeaux et 70 km autour de Bordeaux. Ah, je vois, je vois. Les 70 km, je vois très bien. Ouais. Voilà. Vous êtes facile à retourner, hein, un peu comme une crêpe. Eh ben, c'est exactement ça. En fait,
Tout est une histoire de crêpes. Mais Cyril, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va ? Ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. On sait tout de vous déjà. Hein. C'est vrai. Bordeaux, les crêpes. On a vu chez vous. Bah oui, on a vu Rebecca. Vous portez l'invitation. Et vous avez bien joué avec Rebecca, comme vous l'avez. Marseillaise. Hein. Non. Et a priori, quand même, Marseille et Bordeaux, c'est pas exactement la même mentalité. Non, mais ça a des points communs. On aime mieux à Bordeaux, quand même. Oui, mais ouais. Allez dire ça aux Marseillais, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est est-ce que vous savez qui vous invite ce soir ? Non, absolument pas. Aucune idée ? Je ne me pose pas. Vous allez poser des questions quand même, je suppose ? Non, pas spécialement. Non ? Non, je suis resté, droit dans mes bottes pour le travail. Et puis, on est là maintenant, il faudrait bien voir. Vous êtes venu serein en vous disant que ça ne pouvait être qu'une bonne surprise de toute façon. Exactement. Vous connaissez un peu l'émission ? Oui, tout à fait, oui. Donc vous savez effectivement que c'est des démarches toujours positives. Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du 14 août 2003 en boîte de nuit avec Samantha ? je ne me rappelle plus de Samantha. Bon, pas d'idée donc pour l'instant ? Non. Je vais vous proposer de regarder un premier indice, Cyril. Regardez. Tu penses qu'une pincée d'amour, c'est le secret pour réussir n'importe quelle recette ? Je sais pas. Est-ce que l'amour, c'est important pour vous ? Oui, bien sûr. Dans votre boulot ? Bien sûr. Dans le travail. Souvent, on entend les chefs, les gens qui travaillent dans la restauration, qui aiment faire plaisir aux autres. C'est ça. Dire qu'ils ont l'amour de ça, que c'est une passion, c'est... Oui, pour faire ce métier, il faut que ce soit une passion à la base. Ouais. Vous avez toujours fait ce boulot ? Non. Vous faisiez quoi avant ? Je serai dans le monde de la nuit pendant très très longtemps. Ah, Samantha. Elle revient, celle-là. Le monde de la nuit. Oui. D'accord. Les boîtes de nuit, tout ça. Oui. Bon. Bien d'autres choses, mais entre autres les boîtes de nuit. Aujourd'hui, voilà, je suis épanoui de ce que je fais. Et ça continue au plus longtemps. Marié, des enfants ? Des enfants, pas mariés, des enfants. En couple ? En couple, oui. Et des enfants ? Et des enfants. Donc, quel âge des enfants ? De 5 ans et de 12 ans. Donc les pincées d'amour, vous connaissez ? Exactement. Je vais vous proposer un deuxième indice, alors. Si tu étais un bon petit plat, tu serais plutôt léger et gastronomique comme Pascal ou traditionnel et copieux comme Laurent ? C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, celui-là. C'est pas moi qui l'ai écrit. Alors, j'aime que les gens mangent bien, manger. Comme moi. Voilà, hein, c'est bon vivant. Voilà, je suis un bon vivant. Vous êtes un bon vivant ? Oui. Généreux ? Voilà, tout à fait. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous aime ce soir ? Bien sûr. Fixez à nouveau ses écrans et Habib, notre réalisateur, va faire apparaître cette personne. Ce long regard, ça me rappelle quelqu'un qui, il y a quelques secondes avant qu'on vienne vous retrouver ici, nous a parlé d'un autre regard. Mmh. Un regard quand des portes se fermaient, celle d'une ambulance. Il n'y a pas si longtemps. Et vous aviez la même intensité dans le regard l'un et l'autre à ce moment-là que celle que vous montrez ce soir. Surpris, je vais vous demander si vous êtes ému, parce que ça se voit, et on est tous, mais surpris de voir Annabelle de l'autre côté de ce plateau. Alors certains diront qu'ils savaient, qu'ils se doutaient. Moi, pas du tout. Parce que je pense que si elle est là, je pense savoir pourquoi maintenant. Mais c'est naturel, en fait. C'est naturel. Est-ce que vous voulez quand même écouter bien sûr, ce qu'elle est venue vous dire ? Bien sûr.
Annabelle, c'est à vous. En fait, j'ai voulu t'amener ici, déjà pour te dire un grand merci. Pardon. Un grand merci parce que je sais que malheureusement, tu as subi des choses très, très, très difficiles. Très compliquées. On a eu des passages compliqués dans ma maladie. On en revient encore maintenant. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes comme toi. Si. Tu le sais par rapport à tout ce que j'ai pu lire dans les commentaires de certains hommes. Et surtout en étant séparés, tu n'as pas voulu me lâcher. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient pas surmonté tout ce que tu as vu. Il y a eu des choses très, très dures. On a eu tous les deux peur que moi, je parte. Et j'ai eu tellement de soutien, mais énormément, que ce soit du coupage de cheveux jusqu'à maintenant, des visites, de tout, tu as toujours été là. Et j'aimerais, devant tout le public, devant tous ceux qui regarderont cette émission, c'est un grand, grand, grand merci. Et surtout faire une morale à ces hommes qui ne soutiennent pas leurs femmes. Et je veux leur dire. Ou viser ça aussi. Voilà. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Et oui, bien sûr. Je te rappelle qu'en 2015, moi aussi, quand je suis tombé, quand mon cœur s'est arrêté, tu as été là aussi. Tu as su t'occuper de tout ce qui avait à s'occuper aussi à la maison. Tu as su, tout gérer. Moi, je ne me voyais pas, même si on était séparés, je ne me voyais pas ne pas t'épauler là-dedans. Et je ne me voyais pas, moi, faire ma vie de mon côté en te sachant malade. Je sais. Avec les difficultés dans lesquelles tu étais. Si j'y suis arrivé aussi, c'est parce qu'on a des... des amis formidables. Des amis de la famille. Nous encadrent. Oui. Qui sont là pour moi aussi, parce que il fallait une épaule pour aller pleurer. Quoi. Et sache que les gens qui nous entourent sont des vrais amis, la famille, ils sont vraiment là, à fond. Et sans eux, je ne serais peut-être pas arrivé aussi bien que tu le dis aujourd'hui. Donc c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais je pense que ça aurait été. Soignez tout le monde aussi, parce que c'est grâce à eux si moi aussi j'y suis arrivé. Quoi. Voilà. Et moi, sans je suis eux, arrivé on serait grâce peut-être à pas toi. Là non plus aujourd'hui. Mm. Donc le combat est loin d'être fini, tu le sais. Ben, bien sûr. Voilà, on a encore des épreuves à surmonter, on va y arriver, parce qu'il faut rester positif. Mm. Et il faut que ça serve de leçon, cette émission aujourd'hui, c'est bien, parce qu'il faut qu'elle serve de leçon à plein de monde. À plein de monde, effectivement, tu disais tout à l'heure que tu as lu des messages sur des sites. Sur les réseaux. Sur les réseaux, où c'est des chaînes de cancer, des gens qui parlent entre eux. Et on peut voir qu'il y a des hommes ou des femmes qui épaulent pas leur conjoint. Et c'est compliqué. C'est compliqué à lire certains messages. Et voilà, et on n'a pas le droit. Et en fait, c'est ce qui nous donne aussi la force de dire de repousser tous les jours nos limites. Et de dire, on va battre ce cancer, on va battre. Cette maladie. Et aujourd'hui, je suis content d'être là parce que c'est vrai que si ça peut servir de leçon à plein d'autres, ça sera cool. Quoi. Mmh. Voilà. Il y a une autre histoire dans votre histoire qui a été heurtée par le combat contre la maladie et qui est une histoire d'amour que plein de gens traversent. Parce qu'en réalité, ce qu'on sait aussi de votre histoire, ce que nous a raconté Annabelle, c'est qu'un matin, vous avez décidé l'un et l'autre, mais plutôt vous, que votre vie ne vous convenait plus, que ça allait plus. Tout à fait. Et que vous êtes revenu en chevalier servant et en chevalier, non pas d'amour, d'une certaine mesure, pour l'aider à combattre la maladie. Et que ça a réévolué dans l'autre sens. Comme quoi, les épreuves, le meilleur, mais parfois le pire, peuvent tout d'un coup changer les destins dans les deux sens. Le sentiment de séparation, je pense qu'il y avait, une fatigue derrière tout ça aussi. Il y a peut-être eu une crise de la quarantaine aussi. On va pas se mentir. Le temps a fait et
Je ne dirais pas que la maladie, il n'y a pas eu de pitié, il n'y a pas eu... Il faut bien le comprendre aussi. Non, non, on a bien compris. Voilà. Ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, voilà, c'est... On est focus sur cette maladie. On veut arriver jusqu'au bout. On veut... voilà. Je veux qu'elle gagne et qu'elle reparte tous les honneurs et qu'elle reparte surtout en bonne santé. Demain, ce ne sera pas la même joie qu'on aura. On va y arriver. Bien sûr que vous allez y arriver. C'est étonnant de vouloir séparer de quelqu'un à un moment donné parce qu'on manque d'amour pour cette personne et se retrouver quelques temps plus tard en train d'avoir les larmes aux yeux quand on la voit et se dire que c'est peut-être la personne la plus importante de votre vie. C'est ça. Il faut parfois des épreuves, il faut parfois même s'apercevoir qu'on peut perdre quelqu'un pour se rendre compte à quel point on tient à elle. Voilà, tout à fait. C'est les hauts, les bas dans un couple, il y en a toujours. Je pense que chaque épreuve mérite d'être vécue et essayer de passer les obstacles. Voilà, parce qu'elle m'a accompagné dans beaucoup de choses aussi. Hein. Si j'en suis là aujourd'hui, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Voilà, c'est une belle histoire au final. Oui, une belle histoire et... Voilà. Comme vous l'avez dit, le chemin n'est pas terminé, mais on ne doute pas qu'il soit au final couronné de succès, bien évidemment, et puis de bonheur. Tout à fait. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau, Cyril, et évidemment, sans doute, de l'ouvrir. Tout à fait. Bravo Annabelle pour cette belle démarche. On ne sait pas quel est le plus beau personnage des deux. Vous êtes absolument formidable, vous avez un discours absolument limpide et on voit dans vos yeux que vous êtes une combattante et que ça va le faire grave. Ah. Et vous, comment vous dire, vous allez avoir des milliers de commentaires dès demain, pas pour la qualité de vos crêpes, mais pour la personne intense et généreuse que vous êtes, sans aucun doute. Il s'est passé quoi pour les cheveux? Vous vous êtes vengé ou quoi? C'était un... Bon, merci. Bravo. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour vous. À bientôt à Carignan. Je vous aussi. Merci. Vous êtes voisins, en plus. Ah, oui. Allez, bras dessus, bras dessous. Merci. Merci. On va retrouver... La loge de Rebecca, Laurent, pour découvrir une nouvelle invitée, un nouvel invité, je ne sais pas, homme, femme, et une nouvelle vérité, ça c'est sûr. Dis tout, Rebecca. Alors, c'est une nouvelle invitée, et c'est Isabelle qui a accepté l'invitation et qui est avec moi. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous venez d'où Isabelle? De Paris. De Paris? De Paris. Ça va, ça ne vous a pas fait trop loin? Non, ça allait. Bon, en tout cas, bienvenue, ravi de vous recevoir dans cette petite loge avec cette charmante jeune femme. Merci. Vous avez une petite idée de la raison pour laquelle vous êtes là ce soir? Pas du tout. Pas du tout. Aucune idée, vraiment. Je ne sais pas qui peut être derrière le rideau, j'ai aucune idée. Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, j'ai beaucoup regardé les balais. C'est quoi vos histoires préférées? Les histoires d'amour, surtout. Ouais, puis les histoires d'amour finissent mal en général, donc... Mais ça a l'intérêt, Pascal, c'est que quand ça finit mal, ça revient chez nous. On fait les reconquêtes. Bon. Allez, on vous abandonne quelques instants, mais en très bonne compagnie. Et on va savoir qui a une vérité ce soir. Oui. À dire à Isabelle. C'est un homme qui fait une profession bien particulière. J'en ai même jamais rencontré de ma vie, moi. Ah bon? Et toi? Si, j'en connais, moi. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Il est détective privé. Il s'appelle Bruce, mesdames et messieurs. Détective privé. Eh oui, ça existe. C'est une vocation? Oui, depuis 25 ans déjà. Ah ouais? 25 ans, vous les faites pas. Vous faites ça à Paris? Non, je fais ça à Luxembourg et de temps en temps, je travaille aussi en France. Au Luxembourg? Ouais, je viens de Luxembourg, donc j'ai fait 400 km pour venir quand même. Hein.
Oh, c'est sympa. Non, mais je viens souvent à Paris. Hein, je... Hey, calmez-vous. Il va nous engueuler. J'ai fait 400 km, les mecs. Quand même. C'est vous qui nous avez appelés. Et vous allez jouer votre vie ce soir. Oui et non. Une partie de votre vie. Une partie, on verra bien. Bon. Détective privé, dans l'inconscient collectif des gens, c'est souvent. Alors, plus maintenant, parce que le constat de l'adultère marche plus. En cas de divorce. Non, mais les gens veulent quand même savoir la vérité. Hein. Ah oui. Ça, et ça, avant, on ne l'a fait pas à l'envers. Hein. Moi, je connais tous les trucs. Hein, donc, ah oui. Ah ouais, envie de. Vous avez des anecdotes? Ma spécialité, c'est les histoires de cul, hein, les adultères. Donc, vous savez, ça. Quand vous dites on ne la fait pas à l'envers, qu'est-ce qui voulait. Exemple type de. J'ai eu une copine qui m'a trahi. Et moi, je l'ai chopé en flag. Donc, ah bah oui. Ah, c'est sûr qu'être infidèle quand son mec est un détective privé, c'est pas très malin. C'est pas malin, non plus. Elle n'a pas été malade sur ce coup-là. Donc et ça veut dire qu'il y a des gens, alors que ça ne marche plus dans le cas de divorce, on ne peut plus dire que... Ouais, mais le divorce, c'est une chose, mais tu as envie de savoir. Bah, c'est la question que j'avais posée. Les gens ont envie de savoir, et souvent on pose la question, est-ce que c'est plus les hommes, c'est plus... Non, c'est 50-50. Ouais, oui, c'est 50-50. Ah, ouais, 50-50. Attendez, je peux finir la question. Mais non, mais attends, parce que c'est important de dire que c'est 50-50. Parce que moi, j'ai toujours dit que pour que les hommes soient infidèles, il fallait bien aussi que les femmes le soient. Exactement, exactement, exactement. Ce que je peux vous dire, ça c'est très important, oui. C'est que 90% des histoires d'adultère, c'est au travail, dans le lieu de travail. Ah ouais. Ah oui, ça c'est fatal. Si on pense que sa femme vous trompe, C'est toujours avec le collègue, le patron, la secrétaire, tout ça. Ah oui, c'est toujours au boulot. Hein. Donc, c'est logique, s'il y avait plus de chômeurs, il y aurait moins de cocus. La raison. Ouais, c'est ça. On peut dire ça. Une petite question, alors on peut en faire deux, trois des questions quand même avant de parler de ce qui vous... de Guizy. Genre, par exemple, vous me trouvez très sympathique. Mm-hmm. On est copains dans la vie. Oui. Alors on sort, on va voir des verres et tout machin, mm-hmm. après le plateau, et vous dites, putain, Laurent, c'est vraiment un ami. Et ma femme vous appelle demain matin. Oui. Elle vous dit, je veux que vous suiviez Laurent. Oui. Vous me suivez? Je viens voir Laurent et je lui dis, écoute, ta femme m'a donné 1000 euros pour te suivre, tu me donnes 2000 euros, j'arrête. C'est une question d'argent. Bonjour à la déontologie. Hein. Bonjour à la déontologie. Tu peux me les donner en avance? En avance. Tu peux me les donner en avance. Non, plus sérieusement, il y a, je suppose, peut-être des cas où vous dites, comme les avocats, il y a un conflit d'intérêts, quoi. Ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Non. Vous n'allez pas suivre un ami? Non, je l'ai déjà fait. C'est vrai? Oui, je l'ai déjà fait. Ben, je mets des mouchards sur la voiture, c'est facile. Hein. Moi, je le suis, hein. je vois tout. Mais je garde quand même certaines... les choses que je vois, je les garde pour moi quand même. Je ne vais pas tout dévoiler. Et par exemple, un mari vous appelle, il dit « je pense que ma femme me trompe ». Vous avez des photos, mais archi chaudes, de sa femme avec l'homme en question. Ouais, Vous montrez les photos chaudes ou vous montrez les photos... Je montre tout. Je filme. Des fois, j'ai filmé la nana en train d'embrasser son collègue de boulot. J'ai montré ça à mon client. Il m'a dit mais c'est pas ma femme. Mais si, tu ne reconnais pas ta femme. Non, c'est pas possible, elle ne peut pas me faire ça. Mais les images sont là. Donc même avec les images, les gens ne veulent pas y croire. Il était dans le déni. Il était dans le déni. Ils ne veulent pas y croire. En fait, ils ont cet espoir que je vais payer un détective, mais j'espère qu'il ne va rien trouver. Ouais. Mais si. Ah. Mais si on fait appel à mes services, c'est que forcément, j'ai trouvé quelque question chose. Question inverse, voilà, c'est ça. Quel est le pourcentage de cas où on vous dit « je pense que » et en fait, c'est le cas? C'est pas ça, il n'y a jamais un sujet qui nous a intéressé autant que ça. Hein. Moi, j'ai rien à me reprocher, mais toi, tu as l'air très, très curieux sur l'histoire. Hein. Je suis célibataire. Et quel est le taux? Et quel est le nombre? Moi, celui qui est marié, c'est pas moi. Hein. C'est pas... Si ça peut vous faire plaisir, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. Ouais. Donc, il y aura une cinquantaine d'histoires assez croustillantes. Ah ouais? Donc, ouais. Ce que vous voyez à la télé, ça se passe vraiment dans la vie. Hein. Ah oui, bien les sûr. Les clichés, la secrétaire avec le collègue ou avec le patron, c'est vrai. Ah, c'est des classiques. C'est vrai, c'est classique. Bon, Bruce, vous êtes là pas pour nous parler de votre profession. Hmm? Pas du tout, vous êtes là pour nous parler de votre vie privée. Mm-hmm. Qui est Isabelle? Qui est Isabelle? Bah, c'est une femme. Parce que là... Ça, on n'avait pas besoin d'embaucher un détective privé, hein. Elle est pétillante, elle est intelligente, elle est drôle. Franchement, je l'ai connue sur Facebook, d'ailleurs, il y a 2 ans et demi. Et à l'époque, j'avais rompu avec ma copine. Et je l'ai rencontrée 2 fois. Donc, je l'ai fait venir à Luxembourg. Et, deux fois en tout depuis 3-4 ans. Ouais. Donc, ça fait 2 ans qu'on ne se voit plus. Mais on a toujours gardé un contact. On a toujours gardé un lien d'amitié. Il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu déçu. C'est qu'il y a 3 semaines, je suis venu à Paris. Donc, j'ai informé Isabelle, écoute, je serai à Paris. Ça serait bien qu'on se revoie. Elle n'a pas trouvé 5 minutes pour me voir.
Ça, ça m'a déçu. Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis là, je vais lui poser la question. Isabelle et moi, on a toujours gardé contact, donc elle me raconte un petit peu sa vie, ses activités, moi aussi. Donc... Mais c'est surtout des messages, des messages vocaux. On ne s'appelle jamais. Ah oui. Et il faut dire une chose, c'est qu'il y a 2 ans et demi, quand on s'est connus, j'avais une rupture. Après, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Je me suis remis avec mon ex. Et ça, Isabelle n'a pas trop apprécié. Ah. Et je ne suis plus avec mon ex. Donc là, je suis bel et bien libre et je voulais donc proposer à Isabelle ou faire une demande de la voir peut-être plus souvent, qu'elle vienne à Luxembourg, que je vienne à Paris et qu'elle m'accueille. La prochaine fois que je viens à Paris, accueille-moi. Et ne me dis pas que je n'ai pas le temps ou je, peut-être que oui. Non. Alors, attendez, l'état exact de vos relations avec Isabelle. Il y a eu un rapprochement, je ne vous cache pas. C'est quoi un rapprochement? Oui. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Oui, bisous. À l'époque où vous étiez vu, là, il y a 2 ans, ouais, il y a vous êtes embrassé. 2 ans et demi, on s'est embrassé, on s'est embrassé. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Non. Non, mais dites-nous la vérité, parce qu'il faut qu'on comprenne. Regardez dans les écrans, on a les photos. Non. Non. Non, il y a eu un rapprochement, et après, je me suis remis au Luxembourg ou à Paris? À Luxembourg. Elle est restée combien de jours? Un week-end. Ça suffit. Un week-end. Un week-end. Un week-end. Non, elle est venue 2 week-ends. Elle est venue la première... Ah oui. Elle est venue la première fois, il ne s'est rien passé. Et le rapprochement, c'était le deuxième week-end. La deuxième fois qu'elle est venue, il y a eu un petit rapprochement, oui. Et ensuite... elle est revenue à Paris. Moi, je lui ai expliqué plus tard. Écoute, je me suis remis avec mon ex. Et là, elle n'était pas très contente. Et ensuite, non, mais on comprend mieux. Vous vous êtes remis avec votre ex après un rapprochement avec Isabelle. Ah oui, après, oui, non, je ne suis pas le genre. Je comprends qu'elle l'ait mal pris. Je ne joue pas sur deux tableaux. Non, bien sûr. Donc, voilà, je me suis remis avec mon ex. Isabelle m'a bien fait comprendre qu'elle était déçue, qu'elle n'a pas vraiment apprécié. D'accord. Parce que je pense qu'on s'aime bien. On s'apprécie vraiment énormément. Isabelle. Mais vous êtes quand même resté en. On est toujours en contact. Oui. Non, pourquoi plutôt des messages vocaux que de vous appeler Elle est comme ça, Isabelle, elle est comme ça. Après, c'est aussi par rapport à son métier, elle n'a pas beaucoup de temps, elle a aussi beaucoup d'activités. Et alors, des fois, ça lui prend, mais quand elle m'envoie un message, quand elle pense à moi, ce n'est pas un message, c'est 20. Et des fois, je suis là pendant une heure en train d'écouter, et je me dis, c'est sympa, tu aurais pu m'appeler. Mais non, elle préfère les messages vocaux, pourquoi pas. Donc, moi, je préfère le contact humain. Donc, vous avez compris. Petit filou. Non, ce que je veux dire par là, c'est partager des choses avec une personne. Virtuellement, c'est sympa, ça va, comme ça, quand on est loin, mais moi, je préfère... Ça va, à un moment, il faut rentrer dans le vif du sujet. Je préfère, non, j'aime bien le théâtre, j'aime bien dîner, j'aime bien... On pourrait partager d'autres activités ensemble, sans que ce soit virtuellement. Mais alors, en clair, ce soir, vous l'avez vu 2 fois dans votre vie? 2 fois dans ma vie, et 2 ans que je ne l'ai pas revue, mais on a toujours gardé contact, et j'aimerais bien la revoir à nouveau, et peut-être plus souvent. Mais... Soyons un peu clairs, vous allez lui... Y a pas, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Vous allez lui dire, j'ai un vrai coup de cœur pour toi et... Elle le sait. On a un coup de cœur l'un pour l'autre, mais on n'a toujours pas trouvé le bon moment pour entamer une relation, éventuellement, une relation amoureuse. Et vous êtes prêt aujourd'hui à avoir une vraie relation sérieuse et tout? Je souhaiterais partager des choses avec elle. Je ne sais pas, peut-être développer quelque chose et peut-être l'un des deux prendra la décision de déménager. On ne sait jamais. Vous verrez. En tout cas, on verra. Moi, j'ai envie d'aller doucement, piano, piano. Oui, mais vous vous rendez bien compte quand même, cher Bruce, qu'il y a des demandes un peu officielles. Puis Pascal, il est très à cheval là-dessus. Mm-hmm. Et il dit souvent, précisez votre demande. Ouais. Dis-lui, précisez votre demande. Précisez votre demande. Il le dit très bien en plus. Ma demande va être très claire. Je vais lui demander si elle est prête à me recevoir à Paris et si elle est prête à me revoir plus souvent et éventuellement développer quelque chose et partager des choses ensemble. Je voulais lui proposer, par exemple... Vous n'êtes pas en train de chercher une coloc Non. Non, mais par exemple, je voulais lui proposer de partir avec elle dans un château hanté, on en a parlé, passer un week-end avec elle. Pourquoi hanté? Parce que ça l'intrigue, c'est quelque chose qui l'intrigue. Mais pourquoi hanté? Parce qu'on en a parlé, elle et moi, on en a parlé. Vous avez peur qu'elle ait peur et que vous la protégez? Oui, une sensation forte. Vous êtes spé quand même, parce que vous l'avez vu 2 fois dans votre vie. Oui. Il y a eu le petit rapprochement, là, qui est un gros rapprochement en vrai. Vous l'avez vu 2 week-ends, oui. Et là, vous l'emmenez dans un château hanté. Bah oui. Quand 2 amants partent en week-end. Ah, 2 amants.
c'est un week-end. Mais ils vont jamais se présenter. Moi, je ne veux pas qu'elle soit ma maîtresse ou que je veux être son amant. Ça, c'est pas ça que je veux. Je veux apprendre à la connaître et peut-être que les sentiments vont se développer. Et pourquoi pas être en couple plus tard, oui. Elle est aussi drôle que vous? Ah ouais. C'est un personnage aussi? Ah ouais, elle est pétillante. Comme vous? Elle est extraordinaire. Ah oui, elle est extraordinaire. On a hâte de la connaître. Ben, vous allez voir. Bon. Bon, bah écoutez, non mais il faut que vous soyez un peu romantique, mettez-nous un petit peu de piquant là-dedans, quoi. Hein. Faites tout rêver, Bruce, faites tout rêver. On manque tellement d'amour, Pascal et moi. Bon, allez, viens de là. Bon. Non, mais c'est pas juste, la prochaine fois que je viens à Paris, j'aimerais bien que tu m'héberges. Mais si, mais non, mais ça fait le mec qui veut pas payer l'hôtel, c'est... Il n'a pas totalement tort. Entre deux personnes qui s'aiment bien. Vous êtes d'accord quand même. Pascal, bon. On va se rapprocher nous aussi. Bon, à tout de suite. Hey. Vous connaissez le principe, vous dites pas un mot tant qu'on vous a pas donné la parole. Hein. C'est fausse. Bah, tu vois, moi je pensais que les détectives privés, c'est dans une officine au fond d'une cour. Bah, ça paraît, on n'a pas rouvert la linge encore. N'ouvrez pas. Franck, surtout n'ouvrez pas. Franck, attention, hein, tu ne vois pas. Hein. N'ouvrez pas. Non, mais je voulais dire un truc, c'est que je pensais que les détectives, c'est dans une espèce d'officine un peu triste, à l'ancienne, comme dans les années 50. Mais là, on a un super personnage, là. Ouais, mais faut que t'ailles... Moi, je suis prêt à vous héberger chez moi. faut que t'arrêtes de regarder les films en noir et blanc, aussi. Et vous suivrez ma femme. Bon. En échange. Bon, allez. On va ouvrir la collection. Mais oui, si on demande bien. Depuis tout à l'heure à Franck Broca d'ouvrir la loge, il ne le fait pas. Merci Franck. Rebecca, vous nous entendez? Ah ben, je vous entends très bien. Et Isabelle aussi, et je pense qu'Isabelle a très envie de vous rejoindre. Et ben, ça tombe très bien. Ben voilà, donc Isabelle, je vais vous demander c'est de une vous envie lever. Partagée. D'accord. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Pour recevoir, bonjour. Attention à la marche, Pascal, Laurent. Ça va? Bonjour, ça va. Asseyez-vous. Alors, il paraît que vous avez une petite idée de la personne qui vous invite ce soir. Pas la moindre idée. Une lointaine, entre guillemets, enfin lointaine, dans le temps, pas forcément dans la géographie, mais dans le temps, une lointaine histoire d'amour que vous auriez eue il y a longtemps. Un ex qui ressurgit du passé, c'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai ou c'est faux? Après, lequel? Ils sont innombrables? Non, quand même pas. Bon. Alors, donc ça, c'est une piste, mais ça peut être autre chose. Une ancienne amie d'école? Alors, une ancienne amie, ça peut être possible aussi. Voilà. Ça fait, il y a une amie que j'ai pas vue depuis 10 ans. Et vous pensez à? Mélanie. Ben oui. Mélanie. Mel, hein? Voilà. Comme vous l'appeliez à l'époque. Et pourtant, Dieu sait que Mélanie et vous... De quoi? Du collège, du lycée? Du collège. Ah ouais? Du collège. Quelle classe? Troisième. Ouais. Troisième C. Vous savez tout? Non, je sais pas tout. Je sais que vous avez eu votre certificat d'études en troisième, puis le bac, et après, vous l'avez perdu de vue. Bah après, oui, on s'est perdu. Enfin, non, on s'est pas perdu de vue. C'est ce que je dis, vous n'avez jamais perdu de vue. Non, mais. C'est Pascal. C'est Pascal qui me dit que des conneries à côté de moi. Mais il y a longtemps que vous l'avez pas vu, Mélanie? 10 ans, oui. 10 ans? Facilement, voilà. Oui, oui. On l'embrasse ce soir, Mélanie, si elle regarde la télé. Bon. Est-ce que je vous propose un indice? Oui. Vous savez ce que c'est, les indices? Oui. C'est quelqu'un qui vous pose une question pour vous mettre sur la voie. Est-ce qu'il faut parfois savoir s'engager dans la vie? Oui, enfin, suivant la situation, je peux hésiter quand même. Mettez du temps à faire confiance aux gens? Oui, quand même, oui. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions, donc je peine à faire confiance. Amoureuse? Oui, oui. Genre, les mecs qui correspondaient au départ, c'était bien, et puis après, ça le faisait pas? Bah voilà, dans ce genre-là. Est-ce que je vous propose un deuxième indice, chère Isabelle? Bah allons-y, oui. Allons-y. On est mieux seul ou bien accompagné? Vous aimez être seul? Bah ça, vous êtes une solitaire? Oh, mais en général, non, pas seul amoureusement. Non, vous êtes très bien toute seule. J'ai mes amis, Mais vous passez une soirée chez vous toute seule, tranquillou, vous vous déprimez pas? Comme tout le monde, de temps en temps. Voilà, non, il y a des gens qui n'aiment pas être seul. Moi, j'aime bien quand même, de temps en temps, être tranquille, oui. Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Bah oui. Alors, ben, regardez à nouveau ces écrans et nous allons y faire apparaître cette personne. Non. Mais c'est pas vrai. Et en plus, j'ai vraiment eu des doutes. Il joue très bien la comédie. Hein. Mais il est très bon. Hein. Quoi, vous l'avez appelé quand vous avez été invité? On se parle tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, on se parle. Vous téléphonez, vous restez de longues minutes au téléphone avec lui? Ah oui, oui, oui. Et donc, dès que vous avez été invité, évidemment, une des personnes que vous avez appelées pour savoir si c'était lui, c'est lui. Pour lui dire, est-ce que c'est toi qui m'invites? C'est ça? Non, après, je n'ai pas demandé si c'est lui qui m'invitait, mais... Ah. J'ai quand même eu un doute, et j'en ai même parlé avec ma mère, d'ailleurs. Comment elle va, votre maman? Elle va bien, elle me regarde là. Et là, je pense qu'elle rigole. Comment elle s'appelle, votre mère? Martine. Bon, on vous embrasse, Martine. Contente de le voir? Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir? Ah, vraiment beaucoup. À ce point? Ah oui. Pourtant, il paraît que la dernière fois qu'il est venu à Paris, vous êtes débrouillé pour ne pas le voir. J'ai une vie très active. J'étais pas disponible à ce moment-là, mais... Vous ne pouviez pas? Je ne pouvais pas. Mais... Pas que vous ne vouliez pas? Ah, absolument. Vous avez été obligé de payer l'hôtel, du coup. Hein. Alors, certainement, vous demandez... Et comme on vous comprend, ce que ce garçon que vous connaissez depuis 2 ans, mais en réalité assez peu, est venu vous dire ce soir. J'en ai aucune idée, par contre. Vous êtes sûr que vous n'avez aucune idée? Je pense qu'il est capable de tout, hein. Oui. Oui, oui. On laisse parler, Pascal? Ah, c'est Isabelle qui... Ah, Isabelle, vous voulez qu'il parle ou pas? Ah oui, oui, oui. Un grand oui. Ah, vous avez l'air super enthousiaste, hein? Ah oui, là oui, je suis super contente. Ah, super contente en plus? Oui. Vous voulez voir le rideau direct ou pas? Non, quand même pas. Quoi qu'il vous demande? Bah, ça dépend, mais... Alors, Bruce, c'est à vous. Coucou Isabelle, ça va? Ça va et toi? Tu m'as saoulé pendant 2 semaines avec, ces... avec de nombreux messages. C'est un bon début, ça, hein? Ouais. Ça commence bien. Continuez comme ça. Si vous voulez des conseils, je vais vous envoyer Laurent, mais là, vous êtes très bien parti. Là. Oh, il est cash, c'est sa méthode. Il a raison, cela dit, ça marche. Désolé, parfois. Désolé, je suis cash. Allez, vous, allez-y. Je suis transparent et j'aime bien la vérité. Donc voilà. Tu vas te demander pourquoi tu m'as invité à cette émission. Eh ben, simplement pour te dire que j'ai vraiment apprécié les 2 week-ends où tu es venu à Luxembourg, tu te rappelles. On a passé des très bons moments, on s'est rapprochés un tout petit peu, et ensuite on s'est éloignés. Donc ça fait 2 ans qu'on ne se voit plus, et ça fait déjà quelques mois que je suis célibataire, et j'aurais aimé vraiment, Isabelle, qu'on se voit plus souvent, qu'on apprenne à se connaître, que tu m'accueilles quand je viens à Paris. Qu'on partage des choses ensemble, et pourquoi pas partir un week-end ou même partir une semaine en vacances. Je ne suis pas là pour te faire une déclaration d'amour ou une demande en mariage. Ah bon? Je pense que tu l'as bien compris. Mais tout est possible dans la vie. Donc je trouve dommage qu'on habite si loin l'un de l'autre. On est 400 km, mais quelque part, c'est quand même 2 heures de TGV. Ou alors 3 heures en voiture. 8 heures à vélo. 8 heures à vélo. C'est pour ça qu'il pourrait nous empêcher de nous voir ou revoir. Et je te cache pas, il y a 3 semaines, quand je suis venu à Paris, j'avais espoir de te voir. Je t'en ai même parlé. Et tu m'as dit oui, je vais voir. Et peut-être à midi, on pourrait éventuellement déjeuner. Ensuite, tu m'as plus donné de nouvelles. Donc ça m'a un petit peu déçu. Raison pour laquelle j'ai appelé directement la production. Et je leur ai dit, cette fille-là, je vais la voir. Et je vais lui faire cette demande-là. Donc ma demande, c'est simple. Es-tu prête qu'on fasse de plus ample connaissance, qu'on partage des moments ensemble? Je t'apprécie énormément, et tu le sais. Moi aussi. Et je pense que c'est réciproque. Donc voilà, je pense que si on pouvait se voir plus souvent, ça pourrait peut-être nous rapprocher. Qui sait? C'était chouette, ce rapprochement, au Luxembourg. Oui.
On a passé des bons moments, oui. Moi, je vais préciser votre pensée, mon cher Bruce. En fait, vous lui dites ce soir, à ton rythme, on prend le temps, etc. On n'est pas une agence matrimoniale, mais en clair, ce serait cool si on sortait ensemble. Ça serait cool quoi que? Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Stéphanie Monaco, ce serait cool qu'on sorte ensemble. Qu'on sorte ensemble, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais on peut commencer par sortir ensemble, oui. On peut commencer par là. Vous avez entendu la même chose que moi ou pas? Oui. En fait, c'est la conception de couple qui me gêne, en fait. Oui, mais là, c'est trop compliqué. Voilà. Après, le couple que vous le ferez comme vous le voulez. Mais okay. L'idée, c'est quand même d'avoir un début de relation. Exactement. Pas simplement que vous alliez au restaurant quand vous venez à Paris ou que vous l'invitiez à aller au Luxembourg passer deux jours. Bah, commençons déjà par là. Commençons déjà par là. Oui, mais bon, avec un but quand même. Quand on va passer deux jours chez un mec au Luxembourg, c'est que c'est pas simplement pour jouer aux dames. Ou si, justement. Après ça, ça nous regarde, hein, mon cher Laurent. Oui, ça vous regarde, mais à un moment donné, il faut préciser les choses. Parce que sinon, si vous lui dites ça, il va vous dire oui. Oui, mais si je dis tout, mais là, ce soir, il y aura plus de surprises. Donc, laissons faire les choses. Vous en pensez quoi, Isabelle, de cette discussion entre garçons qu'on a, Bruce et nous? Ça me dépasse, là. On peut tout imaginer derrière. Et moi, ça ne me convient pas de tout imaginer. Moi, j'aime bien avoir des petites réponses claires, nettes. Vous savez, je suis un garçon simple, logique, basique. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour ce garçon? Moi, je lui ai dit, j'ai toujours eu un coup de cœur pour lui. Ah. Mais il le sait, hein. Mais un coup de cœur, hein. Il le sait. C'est pas un copain, quoi. Un coup de cœur. Bah, c'est pas un simple copain, non. Ah, ah, vous faites des yeux, là, tout d'un coup, là. Oh, ça rigole plus, hein. Vous avez entendu, Bruce? Oui, j'ai... Mais on pourrait peut-être partir amicalement dans un château hanté. Voir si les fantômes passent par là. Bon, elle vous kiffe. Mais c'est réciproque. Ah, sinon, je ne serais pas là. Oui, mais moi aussi, vous me kiffez. Ça n'a rien à voir. Donc, finalement, c'est sympa de le voir là. Ah oui, vraiment. Elle nous le dit depuis le début, hein. Bah, je pense que ça se voit, hein. Ah ben bah, oui, ça se voit, mais moi, il y a que lui qui vit. Il a l'air de... Il est dans un autre monde, Pascal. Il vit sur une autre planète. Elle fait une banane comme ça depuis tout à l'heure, dès qu'elle l'a vu. J'ai même vu le chien de Pascal. C'est une demi-banane. Vous avez vu le chien de Pascal, mais quel rapport? Moi, je trouve que c'est la demi-banane. De quoi vous parlez les deux, là? On peut répondre à mes questions les unes après les autres, s'il vous plaît? Vous avez vu où le chien de Pascal? Eh bien, je l'ai croisé dans le couloir. Mais pourquoi vous parlez du chien de Pascal? Ben parce que je voulais lui dire qu'il est beau, son chien, finalement. Bon. Non, mais ça fait plaisir. On peut vous accueillir, ma chienne et moi aussi, si vous voulez. Calme-toi. Ça fait plaisir de vous voir en chair et en os. Ouais, surtout en chien et en os. Non. Bon, Isabelle, pour l'instant, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de l'émission, de vous placer ici, s'il vous plaît, Isabelle, face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau un détective privé luxembourgeois qui nous a demandé de vous faire venir ici. Est-ce que vous ouvrez ou pas ce rideau? Oui, j'ouvre le rideau. Ah. Ça va et toi? Belle surprise. Soyez heureux, les amours. Alors, on vous souhaite plein de bonheur. Si vous faites des enfants, n'oubliez pas. Non, mais c'est important, si vous faites des enfants et si c'est des jumeaux, vous les appelez. Pascal et Laurent, bien sûr, enfin. Ça va être automatique, ce genre de choses. Mademoiselle, à plus tard. Bras-dessus, vous portez par là. Soyez heureux, en tout cas, tous les deux. Par là. Ça va, et toi? Une nouvelle histoire, Pascal. Et on va découvrir l'identité de la personne qui veut dire quelque chose d'important ce soir. Oui, Laurent. C'est une personne en particulier, mais qui vient avec sa femme ce soir, parce que sa femme a joué un rôle dans tout ça. Marc et Astrid, mesdames et messieurs.
Patrice, bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Vous me dites bien le bonjour, vous. Oui. De quel pays venez-vous? La Suisse. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors vous avez besoin de votre femme pour faire une démarche sur le plateau? Oui. Oh, c'est une démarche que vous faites un peu à deux, quand même. Oui, on a les deux un petit message à faire passer. Bon, qui est cette dame qui est dans la loge de Rebecca? C'est ma maman. Votre maman? Ma petite maman. Exactement. Et votre belle-mère? Du coup, ma bonne maman. Il y a un problème avec la belle-mère? Non, ah bon. Aucun. J'ai une chance incroyable. D'avoir une belle-mère de cette qualité. D'avoir une belle-mère de cette qualité, c'est ça? C'est ça. Donc Catherine, votre maman, donc vous êtes son fils biologique? Non, j'ai été adopté à la naissance, à l'âge de 3 mois. Ouais. Donc elle m'a élevé, elle m'a éduqué avec mon papa. L'histoire de votre maman, elle est étonnante parce que votre maman, elle voulait adopter au départ. Et puis elle a fait des démarches d'adoption. Oui. Et puis elle a appris avec son compagnon, avec votre papa, oui, qu'elle était enceinte. Oui. D'Éric. D'Éric, exactement. Et donc tout d'un coup, elle se dit, j'ai fait les démarches pour adopter un enfant, et à la fois, j'en ai un dans le ventre. Exactement. Alors, et donc elle accueille cet enfant, Éric, et puis il ne pense plus à l'adoption. Il ne pense plus à l'adoption, et puis 3 ans après, il reçoit un coup de téléphone, on sait que vous avez déjà eu un enfant, vous avez fait les démarches, on aurait un enfant à adopter, est-ce que... Allô, ici la cigogne. Voilà, exactement, c'est j'ai un collier pour vous. Oui, là, il dit, ah oui. Mais ah oui, ça y est, on a déjà notre fils. Non, du tout. Alors, ils ont dit, on n'a pas fait tout ce parcours. Plus de 8 ans à attendre. Pour rien? Pas pour rien, justement. Et puis, ils ont dit, bien sûr. Pourquoi vous étiez adoptable, vous? Vous venez d'où? C'est quoi votre histoire? Alors, ma maman, elle était d'origine de Marseille. Et mon papa, d'origine de Corse. Et puis, ma maman, elle a été élevée à la DAS, à Marseille. Et elle ne pouvait pas s'occuper de moi en étant jeune, à 18 ans. Et elle avait une famille d'accueil en Suisse. Et cette famille d'accueil, ils ont dit, c'est exclu qu'on t'aide à élever cet enfant. Soit tu le fais adopter, soit tu avortes. Donc, elle a fait le choix de me donner la vie, ce qui est magnifique. Et puis, après, j'ai eu la chance, justement, d'avoir une famille incroyable. Je ne pourrais pas, enfin... Je ne changerai pas de famille. Ça, c'est juste une question. Cette maman biologique, vous avez essayé de la rechercher, vous l'avez revue, vous l'avez eu des contacts avec elle ou pas? Alors justement, j'avais cette haine que j'avais en moi, une colère, le pourquoi, du comment. Je ne ressens pas vraiment à mon papa, ni à ma maman, ni à mon frère. Je savais simplement que j'étais français. J'ai fait mes démarches à mes 20 ans et j'ai retrouvé ma maman biologique. Ah ouais? Toujours en Suisse. Elle avait toujours gardé son nom de jeune fille pour que je la retrouve. Elle a toujours parlé de moi. Et je me suis retrouvé avec deux demi-sœurs, si on veut, deux sœurs. Et deux mamans, du coup, pour le coup. Et comment on vit ça quand tout d'un coup on a deux mamans? On a celle qui nous a élevés, qui nous a recueillis, tout bébé, et puis celle qui nous a donné la vie. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé très naturel. Pour moi, ça a été... vraiment une libération en moi. Je me suis senti soulagé de savoir qui j'étais, à qui je ressemblais, le pourquoi du comment. Pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Et puis, quand j'ai rencontré ma maman biologique, on a fait une rencontre tous ensemble à Pâques. Mes parents ont invité ma maman biologique à manger. Et ma maman biologique, elle a dit, quand je vois Marc, comment il a été éduqué et comment il est, je voulais vous remercier parce que c'est dans les mêmes valeurs que je suis en train d'élever mes filles. Donc je trouvais ça incroyable. Vous continuez de voir votre maman? Je la vois toujours, mes sœurs aussi. Et qu'est-ce que vous avez pu nouer comme lien avec cette maman biologique et cette famille de sang, donc? On se découvre. Et puis ben, on a dit maintenant, on va rattraper le temps perdu. Mes petites sœurs, elles ont toujours su qu'elles avaient un frère, mais elles ne savaient pas si elles allaient le voir un jour ou pas. Puis j'ai trouvé ça... incroyable. Et puis ben, c'est pour ça que maintenant, ben, j'ai toujours été le petit à la maison. Maintenant, je suis le grand frère de mes petites sœurs. Donc ça vous a enrichi, entre guillemets? Ça m'a enrichi. Personnellement? Exactement. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans vos relations avec Catherine et Serge, vos parents adoptifs? Jamais. Jamais. Mes parents, quand je suis parti rencontrer ma maman biologique, je m'en souviendrai toujours, ils m'ont dit, on sait où est notre place, on sait qui tu es. Et puis, pour nous, il n'y a aucun souci. Même de la part de Catherine, votre mère adoptive, oui,
qui souvent, on sait que c'est jamais simple, la psychologie des gens. Hein. Oui. Sur le papier, ça le fait. Et puis, en vrai, il y a quand même des choses qu'on ressent quand on est une maman adoptive. On a tout donné à un enfant qui a été abandonné, entre guillemets, même si c'est pas de sa faute, mais par une autre femme. On a toujours la crainte de se dire, quand il va retrouver sa vraie mère, peut-être que je vais leur partager mon amour, peut-être qu'il va être moins proche de moi, peut-être qu'il va se passer des déclics psychologiques. Bien sûr. Elle a été solide par rapport à ça. Elle n'a jamais exprimé des doutes ou des peurs. Alors, aucun doute. Ça a été tout de suite avec mon papa Serge. Il savait depuis le départ mon histoire. Il savait que pour moi, je voulais rechercher. Ils m'ont toujours dit, on est avec toi, on est à fond. On est heureux que tu arrives à répondre à ces questions-là. Et puis je leur ai dit, c'est vous mes parents. Quoi qu'il arrive, c'est vous mes parents. Je vous aime. Et puis, non, c'est vraiment une histoire incroyable. Alors pourquoi inviter Catherine ce soir? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à être une mère adoptive qui a bien fait son job, entre guillemets, hein, qui a accompli ce qu'elle devait accomplir, ce qu'elle s'était engagée à accomplir en même temps? Quand on adopte, c'est quand même un engagement, une responsabilité, au point de vouloir l'inviter sur le plateau de Laurent et Pascal? Parce que c'est vraiment une force de la nature, ma maman. Elle a vécu des péripéties de la vie, aussi dans des maladies ou comme ça. Et puis, elle s'est toujours relevée. J'ai été très dur aussi avec eux. Ah, vous avez une période d'adolescence où c'était pas simple. Hein. C'était vraiment pas simple. J'ai même fugué, fait des choses. Vous avez fait le petit con, quoi. Voilà, pardon. Honnêtement, j'ai fait le petit con, oui. Ouais. Oui. Donc ça a été dur à ce moment-là? Ça a été dur. Ça a été très dur pour eux. J'en suis pas fier. Je les ai fait pleurer. Et puis aujourd'hui, ils méritent d'avoir cet hommage. Elles méritent d'être là aujourd'hui. Et puis que les gens sachent à quel point je l'aime et que je regrette ce que j'ai fait quand en étant jeune. Parce que c'est vraiment une maman en or, en or. Vous n'avez jamais vu de différence, ressenti de différence entre Eric, votre frère, votre frère adoptif, qui est le fils biologique de Serge et Catherine, et vous? Alors, jamais. Jamais, 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 ou grand jamais. Puis je le mets en majuscule. On a toujours été à part égale. J'ai jamais senti quoi que ce soit. Il n'y a pas un plus que l'autre. Ça a toujours été égal. Puis encore au jour d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. Vous avez quelle relation avec lui? On s'entend très bien. On s'entend très bien. On a nos amis différents. Il habite aussi un peu plus loin. Mais on s'entend très bien. La vie de deux frères, quoi. La vie de frères. Qui ont grandi et qui sont devenus. On s'écrit aussi. Alors vous, dans votre côté, j'ai grandi, je suis devenu un adulte. Pourquoi Astrid est avec vous ce soir? Votre femme? Quand j'ai rencontré Astrid, elle avait déjà deux petits jumeaux. Qui avaient 3 ans et demi. 3 ans, oui. Et des jumeaux? Une fille garçon, Aaron et Mia. Donc vous la rencontrez, vous tombez amoureux, elle a des jumeaux. Elle avait déjà des jumeaux. Ouais. Oui. Et puis pour moi, c'était une évidence que je les prenne comme si c'était aussi mes enfants, finalement. Les vôtres. J'ai vécu ça avec mes parents, je le répercute aussi. Et puis mes parents, ça a été exactement la même chose avec, avec les jumeaux Aaron et Mia. Ils s'en occupent. Mais dès le premier jour, je crois qu'on a eu un coup de foudre familial. Enfin, je sais pas. Et puis, ils les considèrent comme leurs petits-enfants. Ils partent en vacances ensemble, ils les prennent en week-end. Ils ont vraiment une relation très spéciale. Et qui disent, mais c'est pas ma grand-maman, c'est pas mon grand-papa, mais c'est comme. Puis je dis, c'est ça qui est encore plus beau, parce qu'ils n'ont pas... Enfin, vous n'avez pas le même sang, oui. Mais ils s'occupent de vous comme si c'était la grand-maman et le grand-papa. Ouais. Et depuis, vous avez fait un enfant ensemble? On a fait une petite Nairobi. Bon. Qui a 3 ans. Petite fille. Une petite fille, ouais. Et qu'ils considèrent bien évidemment tout autant comme leur petite fille. Voilà. Comme leur petite fille, et puis autant que. Et là, encore une fois, voilà, il ne fait aucune différence. Jamais je me suis sentie, ou quand on a eu Nairobi, il n'y a pas une fois où je me suis dit, on n'est pas à notre place, pas une fois. Et puis même avec moi, hein. Moi, c'est ma deuxième maman. Ah oui. Ouais, on passe des journées ensemble comme si c'était ma copine. On s'entend super, super bien, vraiment. Alors, votre maman, elle a évidemment accepté l'autre invitation. Elle va faire un peu de tourisme à Paris, ça lui fait du bien. Exact. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir? Et puis surtout, comme elle n'a aucune idée de qui l'invite, elle a dit en tout cas, vous allez la surprendre. Elle va se demander pourquoi t'es là. Oui, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu me fais encore? Encore une fois, okay. Tu m'as bien eu. Chlopé de gamin. Non, mais ça va... Je pense qu'elle va tomber... Elle va être étonnée. Elle va être très étonnée. Puis c'est vraiment pour lui rendre hommage, parce qu'elle la mérite vraiment. C'est vraiment une femme, une lionne.
puis elle le mérite vraiment. C'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Après, c'est moi. Pascal, on va voir de l'autre côté. C'est une jolie démarche, en tout cas. Alors, on va tout de suite accueillir cette personne formidable. En tout cas, vous ne pouvez rien dire pour l'instant. Hein. Pas un mot tant qu'elle ne vous donne pas la parole. Donc, on ne vous la donne pas, mais à son ordre. À tout à l'heure, les amoureux. À tout à l'heure. Le rideau se referme et la loge va s'ouvrir. Catherine, elle n'est pas repartie en Suisse? Pas du tout. Non. Bon, alors elle peut venir nous rejoindre. Elle a très envie de vous rejoindre. Je vais vous demander de vous lever, Catherine. Oui, merci. Vous allez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Venez, Catherine. Venez, venez me rejoindre. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je vous aide parce que les marches sont pas pratiques. Merci. Ça va, Catherine? Oui, ça va. Asseyez-vous là, juste en face de nous. Merci. Oh, regardez. Alors, vous connaissez notre émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Diffusée en Suisse, évidemment. En Suisse. Oui, je regarde de temps en temps. Vous avez des beaux yeux. Merci. Vous avez amené des chocolats ou pas? Je les ai mangés. Vous les avez mangés? Non, je vous dis ça parce que l'autre jour, on avait des gens qui venaient de Suisse qui ont amené des chocolats. Je les ai mis dans la loge. Je les ai jamais retrouvés. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ce n'est pas une nouvelle des chocolats. Donc, vous avez peut-être avec un peu de chance. Je ne sais pas du tout où elles sont. Toi non plus, tu ne sais pas. Hein. Mais ils t'embrassent. Tu ne sais pas non plus ce qu'ils sont devenus. Ils t'embrassent. Hein. Je t'ai demandé et tu m'as dit non, je ne les ai pas vus. Non, non. Voilà, bon, donc pas de chocolat. Catherine. Vous avez une petite idée de ce qui vaut votre présence ici? Non. Non? Non. Une femme, un homme? Je pense plutôt à une femme. Pensez plutôt à une femme. Une amie à qui vous seriez fâchée et qui viendrait se réconcilier? Non. Non? Une femme que vous n'avez pas vue depuis très longtemps? Bah, peut-être. Je sais pas. Vous êtes mariée? Oui. Des enfants? Oui. Vous travaillez encore? Oui. Vous faites quoi? Je travaille dans une grande maison, je m'occupe des ménages de cette grande maison. D'accord. C'est bien la vie en Suisse? Ah oui. Vous avez toujours vécu là-bas? Oui, j'ai toujours vécu là-bas. Bon. Et c'est calme, c'est propre, c'est neutre, comme on en a souvent la caricature, nous, en France, ou ça bouge un peu plus? Ah non, c'est très calme. J'habite un petit village de 2500 habitants qui s'appelle le Seigneur-Légier. C'est dans le Jura. Vous êtes très heureuse là-bas, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je vous propose de regarder un indice pour essayer de vous mettre un peu sur la voie? Oui. Regardez, on va vous poser une question. Est-ce que l'amour doit se dire ou se démontrer? En d'autres termes, est-ce que les mots suffisent ou il faut surtout des actes? Il faut aussi des actes. Mais ils doivent se dire, oui. Les deux, il faut les mots et les actes. Parler et faire. Parler et faire. Parole et parole, ça ne suffit pas. Non. Et ça peut suffire, mais pas tout le temps. Voilà, et en même temps, c'est bien là, aussi d'avoir des mots de temps en temps au-delà des actes. Oui. Ça vous aide? Non. Non, un peu généraliste, on va dire. Hein. Oui, j'ai aucune idée. Alors, est-ce qu'elle a un deuxième indice, vous allez voir. Peut-être que le suivant va être un peu plus éclairant, regardez. Tu crois plus au lien du cœur ou au lien du sang? Bonne question, qui se pose souvent sur le plateau. Loi du cœur ou lien du sang? Bon, la loi du cœur. Le lien du cœur? Oui. La loi du sang aussi, mais... À qualité de relation égale, qu'est-ce qui est le plus important? La qualité du cœur, des fois. Oui. Cet indice-là vous aide ou pas? Non plus. Toujours pas. Il n'y a aucun de nos indices qui vous aide. Bon, on va arrêter de vous torturer avec ce suspense insoutenable, Catherine. On va découvrir de l'autre côté, si vous en êtes d'accord, du plateau qui a une vérité à vous dire ce soir. Ah bah oui. Regardez ces écrans. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Marc? C'est mon fils. Un beau jeune homme. Oui. Vous avez eu un « qu'est-ce que tu fais là ?» presque de mère inquiète.
Mais je comprends pas, il est avec moi dans le train. Ah oui. Il était avec qui? Avec vous dans le train? Oui, il était. Et avec qui d'autre? Ben, Eric, mon autre fils, et puis son épouse, Astrid. Ah. Regardez. Quoi, autant d'émotions quand vous voyez votre fils et sa femme? Astrid, ça me touche. Et non, complètement. Pourquoi ça vous touche énormément? Mais parce que je les aime. Puis c'est qui m'aime. Puis c'est les liens du cœur, là. Il n'y a pas besoin de... toujours des liens du sang. C'est les liens du cœur. On leur donne la parole. Oh oui. Marc, votre maman vous écoute. Bon, bah, coucou ma petite maman. Coucou. Surprise, hein, j'imagine. Bah oui. Mais si on t'a fait venir aujourd'hui sur le plateau, maman, c'était pour te dire une vérité. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Oui. Vraiment. Je suis conscient de ce que je vous ai fait subir à toi, papa, Eric. En étant jeune, adolescent, dur, rebelle, t'as jamais baissé les bras, t'as toujours été là pour moi avec papa, même Eric. T'as toujours fait le maximum pour nous, même quand c'était difficile. Mais ce que je voulais te dire, c'est que t'es une guerrière, ma maman. T'es la plus forte du monde. Je t'aime énormément, énormément. Moi aussi. Si j'aurais dû tomber dans une autre famille, je serais été malheureux. Oh. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. D'avoir fait de différence entre Eric et moi. D'avoir pris Aaron et Mia comme si c'était tes petits-enfants aussi. C'est incroyable. Ce que tu fais pour nous, maman, c'est fort. Je t'aime. Je t'aime, ma maman. Je t'aime. Je vous aime. Astrid, vous voulez dire un petit mot à votre belle-maman? Oui. Alors moi, Cathy, j'aimerais te remercier de m'avoir ouvert les portes de ta famille à Aaron, Mia et moi, que tu nous as toujours traités avec du respect, avec de l'amour, que tu n'as jamais fait aucune différence avec les jumeaux et Nairobi. Et puis que je te remercie beaucoup parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, même que... qu'on est arrivé après, et je souhaite que ça dure toute la vie. Je souhaite vraiment que ça soit comme ça tout le temps. Et puis, je te remercie pour tout ce que tu fais pour les enfants, pour nous encore, parce qu'elles nous aident encore au quotidien. Et puis, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Vous savez, cette émission, l'occasion de rendre hommage, et dans un monde où on nous présente souvent les gens de manière négative ou un peu dure, on va dire, on se critique, on se déteste, on s'oppose, on s'aime pas bien, mal, pas assez. On est toujours content d'avoir des gens qui provoquent des larmes de bonheur avec juste des mots simples, parce que ce sont des personnes, j'allais dire, transparentes, sans parasites. Et qui donne pour donner, voilà, et je crois que vous faites partie de ces gens qu'on reçoit souvent sur cette émission. On appelle ça la France des braves gens, alors c'est la Suisse des braves gens. Oui. Tous ces gens dont on ne parle pas assez, mais qui sont des gens absolument formidables, qui qu'ils soient et où qu'ils habitent. Voilà. Pascal, avant de vous laisser les retrouver, juste, vous estimez que vous méritez... d'être là ce soir, vous avez, quand je dis ça, vous comprenez à quel point c'est important pour Marc et Astrid de vous rendre hommage. Vous avez le sentiment d'avoir fait des choses parfois un peu au-delà de l'ordinaire. Non, j'aime mes enfants, puis j'ai une maman, c'est tout. Ce petit garçon adopté qui est arrivé alors même que vous aviez déjà eu un Eric. Fils biologiquement et oui. que donc, votre besoin de maternité, quelque part, était... À tous les deux, à Serge aussi, était comblé.
Vous l'avez accueilli comme si vous l'aviez fait vous-même. Oui, oui, tout à fait. Vous n'avez fait jamais de différence entre eux, même dans les moments les plus difficiles où il nous a raconté qu'il vous avait mené la vie un peu dure. L'adolescence, oui. C'était rigoureux. Mais... Comme l'hiver, mais l'hiver, ça passe. Voilà, exactement. Oui, c'est le bon mot. C'est pour ça qu'on vous parlait des liens du cœur tout à l'heure, parce que aussi les enfants d'Astrid, qui sont pas ceux de Marc, Marc n'étant non, pas non plus votre fils biologique à vous, vous les avez accueillis comme beaucoup d'enfants. Oui, je les aime, vraiment. Oui, ils sont adorables. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire avant qu'on vous demande de vous lever pour savoir si vous ouvrez ce rideau, ce sur quoi on n'a pas trop de doutes? Ben, je voudrais déjà les remercier, ça me surprend vraiment au plus profond de mon cœur, quoi. Je les aime beaucoup, j'aime Aaron, j'aime Mia, j'aime les Robbie comme mes propres garçons. Et puis, merci de m'avoir invitée. J'ai longtemps cru que c'était une blague, quoi, qu'on ne pouvait pas m'inviter à Paris. Moi, dans mon petit village, personne d'autre ailleurs me connaît plus que ça. Ça me surprend, mais ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Merci, bon. Les loulous. On va vous demander, Catherine, si vous voulez bien, de vous placer ici, face au rideau. Marc et Astrid, votre fils et votre belle-fille sont venus vous dire à quel point vous étiez une maman et une belle-maman extraordinaire, vous remercier de vos qualités humaines et puis à travers vous de rendre hommage aussi à toutes ces mamans adoptives, à toutes ces belles-mamans adoptives aussi qui savent faire une grande place dans leur cœur et ne pas faire de différence entre le sang et le cœur. Oui, voilà. On ouvre ce rideau, je suppose. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes pas possible que vous n'ayez pas craqué. Merci. Voilà une belle surprise pour cette jolie maman et belle maman. Oui. Et bien voilà, ça vous aura donné l'occasion d'être sur un plateau de télévision avec toutes ces lumières et ouais. Tous ces applaudissements que c'est vous méritez bien. L'occasion, au-delà des strass, de rappeler qu'il est toujours bon de dire aux gens qu'on les aime. Mm-hmm. Oui. Et que voilà, il ne faut pas perdre une occasion parce que la vie est courte parfois. Ben oui. Et que c'est bien de se forcer à le faire et ça fait du bien à ceux qui les entendent et à ceux qui émettent ces messages. Bravo à vous deux, les amoureux. Chers amis, à bientôt. Bravo pour votre démarche. Merci. Bon retour en Suisse. Merci. La prochaine fois, vous amenez des chocolats. Hein. Oui. Madame, ne changez rien. Restez comme vous êtes. Merci. Je repasse du fromage. Vous ramenez du fromage. Vous ramenez ce que vous voulez. Je mange tout. On a des très bons en France. Merci une fois d'être venu. Allez, bras dessus, bras dessous. Merci. On va partir par là. Et si, comme vous l'aimez bien, on revenait maintenant sur une des histoires cultes de la première version de l'émission. Une histoire dont vous vous souvenez certainement, James, ce mari qui était venu totalement en rédemption sur notre plateau pour dire à sa femme « Je t'aime, j'ai été invivable, j'ai été insupportable, j'ai été ultra jaloux, mais restons ensemble. » Eh bien, regardez cette histoire, on s'en souvient encore Pascal et moi. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors, James, c'est pour nous les cadeaux ? Ouais. Non. Non. James, vous êtes un père comblé. Ouais. 3 enfants. Ouais. 10 ans de mariage. Ouais, bientôt. Et vous êtes, normalement, on va dire, un mari comblé. Ouais. En tout cas, vous le pensiez. Tout à fait, ouais. Mais il y a un mois, vous êtes un peu tombé des nues. Un peu plus de mois, quand même. Un peu plus qu'un mois ? Un peu plus de mois, ouais. En faisant un truc que, normalement, il faut pas faire. Normalement. Vous avez commis une indiscrétion. Ouais. Vous avez lu le journal... Intime de madame. De Béatrice. Et il est où le journal intime? Dans son ordinateur, dans le... Ouais, voilà. On tape le code, on rentre dans le code et puis on tombe sur le... Ah. Donc sans faire exprès, j'ai tapé son code et puis... Sans faire exprès, vous avez... Ouais. Non, mais si, sans faire exprès, ouais, il a tapé son code. On est à la télé, donc on peut pas dire... Vous l'avez trouvé comment, le code? Oh, parce que je le connaissais.
Ce que vous avez lu dans ce journal intime, c'est qu'en clair, elle était malheureuse, pas bien, ouais. Et qu'elle en avait marre, ouais, de cette vie compliquée, où vous lui pourrissez la vie, ouais, parce que absolument, pas de décolleté, pas de machin, pas de mini-jupe, pas de sortie avec les amis, pas d'hommes, pas de coup de fil à des hommes, pas... Hey. Ah, ça fait réagir les femmes, mais bon. C'est que celui qui n'a jamais été jaloux. Attendez, un, je vous juge pas, ouais, ouais, c'est pas mon job. Ouais, ouais, ouais. Et deuxièmement, qui n'a pas été jaloux, ouais, déjà, ouais, etc. On a tous ce côté-là. Après, c'est un problème de limite. Voilà. On aime. Donc, je dis avec aucune méchanceté, ouais, c'est juste pour qu'on comprenne bien. Et vous nous avez autorisé à le dire. Absolument, c'est clair. Mais surtout, ce qu'elle dit dans ce journal intime, c'est qu'elle est à deux doigts de penser au divorce. Et qu'elle voudrait se séparer. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc pour vous qui est de tomber des nues. Ben ouais. Je le pensais, mais pas à ce point-là. Votre jalousie et votre tempérament, ouais, c'est vraiment... Ça ne s'est pas calmé avec les années, non, et avec le fait que... Au contraire. Avec la fidélité de Béatrice, tes trois enfants, oui, tout c'est ça. C'est une dame très sérieuse, et puis il n'y a absolument rien à lui reprocher. Mais ben, c'est moi, donc le problème est moi. Hein. Elle, c'est une femme exemplaire. Donc ben, ce soir, je vais lui dire pardon et essayer d'arranger tout ça. On aura compris que vous êtes un abominable macho. Ouais. Bon, nous, pas du tout. Hein. Ouais, mais vous, grave. Ouais. C'est quoi la journée type de votre femme, si vous êtes super honnête, aujourd'hui? S'occuper que de ses gosses. Donc vraiment très bien, en plus. Elle travaille pas? Elle travaille pas, mais c'est une mère exemplaire. Donc les écoles des petits, les rentrées, les sorties. Et la maison. Et la maison. James, qu'est-ce que vous avez ressenti, puisque ce soir, on le voit bien, vous ouvrez votre cœur et vous avez décidé pour une fois de laisser sortir un peu ce que d'habitude vous gardez sans doute un peu caché. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu ces lignes très intimes? Oh, du malaise. Malaise et puis un mal-être. Ben, de voir ce que ma femme pensait sans que... Bon, je le savais parce que souvent on en parlait, mais pas à ce point-là quand même. Là, c'était vraiment... Ça vous a rendu malheureux au-delà de vous inquiéter? Ah, malheureux. Ben ouais, quand sa femme, elle est malheureuse, ouais, bien sûr que ça rend malheureux. Et inquiété, ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas qu'elle travaille, si vous êtes honnête? À part le fait qu'il fallait s'occuper des gosses et que machin... À part le fait, ouais, ben parce que je suis un homme très jaloux. Et donc? Ben donc, quand on est jaloux, on ne peut pas qu'on travaille, je veux dire. Moi, c'est de la jalousie, mais c'est plus que la jalousie, c'est... Exemple? C'est... ben, je suis maladif, donc quand on est jaloux, maladif... Exemple. Une grosse crise que vous avez eue avec votre femme à cause d'une jalousie, que aujourd'hui, si vous l'analysez intelligemment, vous dites, j'ai un peu exagéré. Allez, ouais, ben je dirais il y a deux jours. Parce que, ouais, voilà, il y a deux. Ouais. J'ai fini plutôt mon travail parce qu'on s'est retrouvé en intempérie et donc je suis rentré plutôt à la maison. Mais c'est une femme super, donc je ne peux rien lui dire, mais elle discutait avec quelqu'un qui ne me plaît pas du tout. Donc il y a eu un petit accrochage. Les deux. Et c'est vrai que quand elle va chercher les enfants à l'école, il faut qu'elle vous téléphone d'abord? Ouais, on s'appelle souvent. Ouais, elle m'appelle souvent. Oui, mais elle vous appelle? Pourquoi? Pour vous dire ce qu'elle fait? Non, c'est parce qu'on est... On dira qu'on a vu une ville assez... Il y a beaucoup de délinquance. Hein. Donc, malheureusement, je connais... C'est où, c'est à Béziers, dans l'Hérault. Ah oui, il y a beaucoup de délinquance à Béziers. Beaucoup de pubs. Hein. Vous allez venir en région parisienne, vous allez voir. Non, mais Béziers, ça reste petit. Oui, c'est connu, Béziers, c'est par inquiétude. Donc, dès qu'elle sort de la maison, il faut qu'elle vous passe un petit coup de fil. Ben, ouais, pour voir si tout va bien. Ouais. Et quand elle revient aussi. Ouais, voilà, tout va bien, et puis je suis tranquille, je suis rassuré. Et elle peut sortir avec des copines le soir? N'exagère pas non vous plus. Pas autre chose à me poser. Vous connaissez pas Béziers? Non, mais enfin, faut pas abuser quand même. Attendez, elle est mère de trois enfants, sortir le soir, pourquoi faire? Bon, mais vous sortez... Non, moi, je sors pas le soir. Vous sortez avec elle? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais vous, vous avez l'air d'aimer les femmes? Ma femme, pas les femmes. Non, votre femme, excusez-moi. Ouais, ouais. Je sais pas, je voulais dire. Ouais, bien sûr. Donc vous êtes content quand elle se met un peu sexy? Ouais, avec moi, ouais, bien sûr, j'aime ça. Mais pas si vous n'êtes pas là. Là est mon problème. James, ça fait 10 ans. 10 ans de mariage, 15 ans de vie commune. 15 ans de vie commune. Ouais. 15 ans d'amour, donc. Et, ouais. Vous avez 20 ans qu'on l'a rencontré? Ouais. De comportement exemplaire de Béatrice? Ouais, absolument. Pas une faute? Pas une faute, jamais. Rien à lui reprocher. Mais c'est bon, c'est maladif, je vous l'ai dit. Ouais, mais... Mais est-ce que vous n'essayez pas de vous raisonner en vous disant quand même, s'il y avait dû se passer quelque chose depuis... Et au contraire, peut-être que c'est avec ce comportement-là que je peux la pousser un jour à... Je dirais, quand je raisonne tranquillement, je me dis que je suis un imbécile. Et puis, et après, quand le deuxième personnage de moi ressort, après, je ne crois plus en rien. Cela dit, le fait que vous le reconnaissiez, c'est déjà la preuve que vous n'êtes pas complètement malade. Parce qu'un vrai malade, il ne reconnaît pas. C'est vrai. Ouais. Je ne vais pas essayer de vous sauver la mise, mais... Merci. Alors, on a failli envoyer Sam porter l'invitation. Qui est très bon. J'étais à la maison.
Et on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Non. Hein non, malin comme on est. Sinon, finalement, ben, comme d'habitude, c'est Daphné qui est allée porter l'invitation à Béatrice, l'invitation de James, mais évidemment, je ne sais pas. Et il faut dire, Pascal, qu'on l'avait dit à Daphné, fais gaffe, parce qu'à Béziers, c'est extrêmement dangereux. Regardez l'invitation de Daphné à Béatrice. Et justement, c'est au tour de James d'essayer de reconquérir Béatrice, et c'est pour cela que je vais lui porter cette invitation. Elle habite juste par là, on y va. Je suis arrivée chez Béatrice, elle habite juste ici. Bonjour Béatrice. Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner. Merci. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour, vous êtes Béatrice ? Tout à fait, oui. Bonjour, je suis Daphné, l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation un peu mouillée à vous donner. J'espère vous accueillir dès lundi sur notre plateau. Ben avec plaisir. D'accord. Ben, je vous remercie. Ben, moi aussi. C'est gentil d'avoir apporté. Je comprends pas, mais ouais. Vous étiez là ce jour-là ? Ouais. On était en intempérie. Donc, en intempérie. Voilà. Tout le sud. Et elle vous a dit quoi ? Quand Daphné elle est partie, elle a pris le téléphone et puis elle a passé 2 heures au téléphone. Et puis après, voilà, ben, elle pense que c'est sa première vie. Et vous lui avez pas fait une petite crise de jalousie en lui disant mais qu'est-ce qui peut t'inviter ? Oh si. Je lui ai dit. J'espère que c'est pas un ancien copain parce que je serai dans le public et puis Pascal et Laurent ils vont me voir sauter. Hein. Donc non mais bon puis elle est vachement stressée par ça parce qu'elle a peur que je sois par là et que. Alors soyons sérieux 2 secondes parce qu'on va voir. Elle est là, on va parler de suspense et puis c'est à vous de parler dans quelques instants. Mais qu'est-ce que vous allez lui proposer concrètement ? D'abord il faut que vous lui disiez que vous avez chopé son carnet intime quand même. Hein. Ouais ben ouais de toute façon elle le saura parce que. Oui mais il faut que vous lui disiez tout à l'heure. Ouais bien sûr. Bon ça c'est le premier truc. Deuxièmement. Elle va être fâchée de ça, elle va être fâchée, la connaissant. On verra. Je sais pas. Je pense que ma démarche, elle va être très surprise parce qu'elle sait très bien que je suis pas comme ça. Mais fâchée, non, je pense pas. Non, après ce que j'ai fait pour elle, non, je pense pas. Non. Donc, qu'est-ce que vous. Je voulais. La question que je vais vous poser avant qu'on se sépare et qu'on ait retrouvé votre femme, c'est qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement ? Parce qu'à un moment donné, lui dire. Je vais changer. Mais à la fois, c'est une maladie, je peux pas changer. Non, mais bon, ça, si je suis là, c'est que je veux changer parce que sinon, je serais pas venu. Donc, c'est clair. Et puis, bon, déjà, lui dire que je l'aime, mais pas simplement l'aimer, parce que l'aimer, ça fait 15 ans que je lui dis. Et puis, je lui dire que je vais arrêter tout ça. Et puis, plus de jalousie, plus de stress, plus de questions, plus de. Reprendre confiance à elle comme j'avais au début. Je dirais reprendre confiance en moi pour pouvoir reprendre confiance en elle. Ça ? C'est quoi ? Ça, c'est pour le final. Parce que vous savez, j'ai fait ça en plusieurs étapes. Donc ça c'est pour le final. Vous n'êtes pas obligé de nous montrer à nous, hein, mais dites-nous. Ouais, juste... Non, mais pourquoi non ? Ouais, voilà, c'est une petite rose avec à l'intérieur une petite bague. Waouh ! Voilà. Très joli. Pas mal. C'est bien. Bon, James, bien joué. Nous, on trouve votre démarche très très belle, très positive, très très constructive et courageuse en même temps, et puis assez exemplaire. Il y a pas mal d'hommes qui pourraient en prendre exemple. On espère en tout cas, on sait qu'elle est là puisque vous êtes venu avec elle, mais on espère que ce rideau va s'ouvrir et vous pourrez lui offrir tout à l'heure cette rose. Bon. Alors, juste un truc avant qu'on ouvre la loge, Pascal. Pas de compliments à cette dame. Aucun truc un peu, etc. Parce que je te rappelle que le fou furieux est derrière. Daphné, on va rétablir la liaison avec la loge. Vous nous entendez ? Ben je suis là, je tiens la main de Béatrice avec qui je suis. Bonsoir. Béatrice. Parce qu'elle est un petit peu angoissée, elle ne fait pas tellement. Ah bon ? Béatrice est stressée ? Beaucoup, oui. D'où vient Béatrice ? De Béziers. De Béziers. Ah, c'est une jolie ville. Oui, plus ou moins. Un peu dangereuse, mais jolie. Est-ce que vous êtes venue avec quelqu'un de réconfort ? Avec mon mari. Avec votre mari, oui, qu'on a vu d'ailleurs quand on est venu vous apporter l'invitation. Oui, il ne me lâche pas. Qui avait l'air très possessif, on va dire. Oui, oui, oui. Voilà, donc il est venu avec vous. Oui, d'accord, tout à fait. Très bien. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, Béatrice. Oui. Et puis, tout va bien se passer. Mais je vais vous proposer maintenant de vous lever. Ok. De suivre ça, mais la vérité est au bout du coup. D'accord. Je vous remercie. Au revoir.
Comment allez-vous? Ça va. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Ça va Béatrice? Ouais. Très jolie femme. Stressée un peu? Beaucoup. Bon. Alors, est-ce que vous avez une idée sur l'identité de la personne qui vous a invité ce non, soir? Franchement, non. Vous connaissez l'émission? Vous la regardez de temps oui, en temps? Oui, tout le temps. Avec votre mari? Oui, tout à fait. Oui. Il est comment, votre mari? Il est comment? Oui, parce que Daphné disait qu'il était possessif. Très possessif? Oui, oui. Bon. Très possessif. Bon, vous savez qu'il n'y a que des bonnes nouvelles sur ce plateau. J'espère. Soit des retrouvailles, soit des ex qui viennent éventuellement. Ouf, là, ça serait dramatique. Non? Des gens de famille, des reconquêtes amoureuses, etc. Enfin, voilà, ce ne sont que des bonnes nouvelles et des belles choses qui peuvent vous arriver. Ouais. Sur ce ça a l'air de vous ennuyer, l'idée que ça puisse être un ex. Pour mon mari, oui, ça serait trop dramatique. Oh, on nous a dit qu'il était dans le public de l'autre côté, là. S'il est dans le public et que c'est un ex, il vient en courant. Ah bon? Il va débarquer sur le plateau? Tout à fait. Bon. Bon. Est-ce qu'en attendant de savoir ce qu'il en est réellement, je vous propose un indice? Allez. Détendez-vous, tout va bien. Essayer. De toute façon, on est là pour vous protéger. Puis de toute façon, il est jaloux, mais il n'est pas méchant. Non, bien sûr. Beau gosse? Non. Très beau gosse. Très beau gosse. Bon. Ouais. Plus beau que moi ou... Ah oui, excusez-moi. Mais... Je suis désolée. C'est rien, il doit être vachement beau. Il doit être vachement, vachement beau. Lance l'indice. Béatrice. Il est plus beau que Pascal ou moins beau? Il est plus beau que... Non, mon mari est beaucoup plus beau. Yes. Je suis désolée, mais... Encore plus beau. Oh là là. C'est bon. Mon mari, c'est l'homme de ma vie quand même. Bah, bien sûr. Bon, allez, on y va. Béatrice, as-tu besoin d'une oreille attentive ou une page blanche te suffit? Ah, est-ce que vous êtes le genre plutôt à... À parler à une meilleure amie. Moi, je raconte tout à Pascal, par exemple. Vous voyez, oui, c'est... j'ai ma meilleure amie, bien sûr. Vous lui racontez tout? Oui, plus ou moins, oui, tout. Ouais, alors, est-ce que justement, on va voir qui est-ce qui veut communiquer avec vous ce soir? Il faut juste vous prévenir avant qu'on ouvre l'écran, c'est que c'est un homme et ça risque pas forcément de faire plaisir à votre mari. Sérieux? Eh bien, on verra bien. Je rajouterais que c'est un beau gosse. Bon. Est-ce qu'on va voir qui veut communiquer avec vous ce soir? Bien sûr, je suis venue pour ça. Vous êtes prête? Oui, bien sûr. Regardez bien ces écrans, Béatrice, car vous allez y découvrir le visage de cette personne qui vous a convié sur le plateau. Ah, oh, c'est pas vrai. Tu m'avais juré. Putain. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas que ça serait lui. C'est pas quelqu'un qui fait ça, c'est pas quelqu'un qui... Ah oui, vous aviez dit qu'il communiquait pas beaucoup, hein? Non. Du tout, alors bon. Je me demande d'ailleurs comment il fait. Ah, il fait difficilement. Pour l'instant, il dit rien, vous avez remarqué. Oui, il a pas le droit. Non, mais non. Il est là pour ça en même temps. Ouais. Est-ce que vous voulez l'écouter? Bien sûr. James, c'est à vous. Tu es très belle, bébé, ce soir. Merci. J'ai jamais été trop bon pour les déclarations d'amour. Tu le sais. Je suis pas trop sentimental. Tu le sais. Mais si je t'ai fait venir ici, c'est pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est pour te dire que je t'aime. Mais je t'aime pas simplement, c'est pas simplement aimer, c'est t'aimer du plus profond de mon cœur. C'est t'aimer du plus profond de mon âme. C'est, tu es une femme extraordinaire, tu es une mère fantastique, et... Et si je t'ai fait venir ici, c'est... Ben c'est pour dire que tu mérites ça, parce que... Je pourrais pas te le dire à la maison comme ça, c'était pas le même. Là, ce soir, je veux te dire que je t'aime, j'ai besoin de toi, je peux pas vivre sans toi. Alors, c'est pas spécialement une belle déclaration d'amour, mais c'est avec mes mots, tu me connais, et je t'aime. Ça, je voulais que tu le saches. Je le sais. Mais je t'ai pas fait venir pour dire que je t'aimais. Si je t'ai fait venir, c'est... Tu sais que je suis un garçon très jaloux. Je suis un garçon très possessif, je suis un garçon très égoïste. Je pense bien souvent qu'à ma gueule, comme tu dis. Ben, si je t'ai fait venir ici, ben voilà,
je pense que, et je suis sûr qu'on va arrêter tout ça, toutes ces scènes de jalousie. J'ai, tant pis si tu m'engueules après, un matin, je suis rentré dans ton menu, je suis tombé sur le journal intime, et après ce que j'ai lu, eh ben, j'ai pas envie de te perdre. J'ai trop perdu de choses, bébé, dans ma vie, et tu le sais, j'ai trop perdu de choses, mais toi, je veux pas te perdre. Donc si t'es là, voilà, je t'aime, je serai plus jaloux, plus de crise, plus de scène. Je dirais que je ne te mérite pas parce que tu as aucun défaut. Et que si, et si les gens le pensent ou le disent autrement, ben je crois qu'ils n'ont rien compris et qu'ils sont complètement aveugles. Tu resteras, bébé. Et je vais arrêter tout ça parce que j'allais marre de te rendre malheureuse. J'arrête. J'arrête, on va repartir sur de bonnes bases. On va... Ouais, on va repartir comme on était jeunes. Excuse-moi du plus profond de mon cœur. Et si tu ouvres le rideau, j'espère que oui. Je me suis jamais mis à genoux devant personne. Tu me connais. Mais tu mérites tellement ça que ben, ce soir, devant la télé, je me mettrai à genoux et pour te dire que je t'aime. Tu n'as pas besoin de faire ça, Bé. Tu n'as pas besoin. Non, de... non j'ai pas, besoin. Pas besoin que tu t'agenouilles. Moi, c'est pas ça que je veux. C'est oui. pas ça que je veux. Je veux une vie normale. Ben, on va comme voir. Tout le monde. Tu crois que je suis venu ici pour faire semblant? Je sais pas. Je sais pas. Et puis, si tu ouvres le rideau. Ah, il sait parler aux femmes, hein. On a. Hein, on avait dit qu'on devait faire le quatrième bébé. Bon, bien sûr, oui. J'étais pas trop chaud. C'est très bien que... Mais bon, ben, je crois que j'ai tout compris aujourd'hui. Donc, si tu veux, tout est organisé, tout, tout va bien, tout est... on peut aller à l'hôtel et puis on peut faire le quatrième bébé. Et avant de... Puisque j'y suis et que... Je vais en profiter. Ça ne sera pas tout le temps que je serai à la télé. Il faut bien te le dire. Tu le sais, chérie. Oui. Je t'aime. Mais je t'aime pas simplement. Je sais. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Je sais. Du plus profond de mon âme. Et on repart à zéro. C'est tout ce que je demande. Tu arrêtes tout ça. Sinon, je tiendrai pas de toute façon. Et le quatrième, il n'y en aura pas si ça, si ça passe pas. Bien sûr. Je veux pas continuer. Je peux pas. Je suis à bout. Donc, si où tu changes, en fait, je te demande pas de tout changer parce que faut pas exagérer. Non, on va tout arrêter et puis on va repartir à zéro. Tu crois pas que je suis venu là comme ça faire le beau à la télé et raconter ma vie et non, dire mes défauts. Non, je sais très bien, mais. Et me faire montrer du doigt. Non, tu pas peux moi. Être différent à arriver à la maison. Non, bébé. Ça, je veux dire, ça peut repartir ça, sans que tu le veuilles, ça peut. Non, parce que les journalistes ont dit qu'ils allaient me contacter encore. On va avoir encore des nouvelles de l'émission. Tu crois pas qu'ils vont laisser tomber comme ça? Faut quoi faire, hein? Eh ben, on fera rien du tout, on va pas l'engueuler, hein. Mais c'est vrai qu'on prend toujours contact, et ça, tous ceux qui sont passés sur ce plateau le savent très bien. De longs mois après, on prend contact, on reste en contact, on s'appelle, etc. Donc on a une vraie famille de Y'a que la vérité qui compte. Non, puis au-delà de ça, James vient de dire quelque chose de très important. C'est que ce soir, il prend, au-delà des mots très très beaux, parce qu'il a beau dire qu'il ne sait pas trouver les mots, ce soir, en tout cas, il les a trouvés, qu'il vous a dit, il a pris un engagement devant des millions de personnes, au-delà du public qui est là autour de nous. Et que cet engagement, vous saurez le lui rappeler certainement, mais plein d'autres aussi. Ça, c'est clair. Lui rappeler, je lui rappellerai, ça, c'est clair. Tu n'auras pas besoin de me rappeler. Je le sais, mais... Ouais. Bébé, je ne suis pas venu ici comme ça. Bon, on va, Béatrice, vous demander dans quelques secondes votre réponse. En tout cas, sans vouloir du tout influencer cette décision, parce que ce n'est pas notre rôle et notre but, même si dans notre cœur, on a une envie, évidemment. En tout cas, nous, ce soir, je voulais dire qu'on a assisté à une très belle démarche, encore une fois, l'issue que vous lui donnez. Et que je pense que c'est quelque chose qui devrait donner à réfléchir à beaucoup d'hommes et peut-être même de femmes qui regardent cette émission et qui n'arrivent pas à se parler dans leur couple. Je vais vous demander de vous lever, Béatrice.
Derrière ce rideau, il y a votre mari qui est venu ce soir à la fois vous demander pardon, vous dire à quel point il vous aimait et vous dire aussi qu'il s'engageait devant tout le monde et devant vous avant tout à changer et à arrêter cette jalousie qui pourrit votre vie de couple depuis quelques années déjà. Vous savez que vous pouvez ouvrir ce rideau, mais vous pouvez aussi le laisser fermer. James en a accepté le principe en venant ici. Qu'est-ce que vous décidez? Mais je vais lui faire confiance et puis je vais l'ouvrir et on verra par la suite. Cette bague renforce notre amour jusqu'à que la mort nous sépare. Bon, les amoureux, vous ne faites pas le bébé tout de suite sur le plateau quand même? Alors déjà, un, elle peut sortir un peu de temps en temps, voir des copines. Deux, on contrôle plus ses trucs. Trois, quatre, au-delà de ça, préservez-vous un peu des moments tous les deux. Repartez en week-end, laissez les gosses un peu, machin. Je sais que c'est pas toujours simple, parce qu'il faut faire garder tout ça. Et que je sais. C'était très, très, très dur de les faire garder, là. Mais de temps en temps, c'est capital, c'est essentiel. Pour nous, Bravo pour le joli exemple que vous avez donné l'un et l'autre ce soir. Salut, James. Plein de bonheur à vous deux. Particulièrement touchante, émouvante. Eh bien, 20 ans plus tard, on l'a retrouvée, évidemment, vous l'imaginez. On l'a invitée ce soir. Béatrice, mesdames et messieurs. Ça va, vous vous sentez? Oui, un peu, là. Vous allez bien? Très bien, ouais. Ça va, mademoiselle? Ça va? Bonjour. C'est votre fille? C'est mini-moi. Et la quatrième? Ah, c'est mini-moi. C'est mini-moi. C'est la quatrième. Hein. C'est mini-moi, pas mini-moi, mini-vous. Mini-vous, quoi. Oui. C'est votre bonsaï? Oui, c'est la promesse. Eh oui, c'est... mais bien sûr, vous deviez avoir un nouvel enfant à l'époque. Eh bien, c'est vous. C'est ça. Ouais, donc ça veut dire en clair que mademoiselle, ça vous ne seriez pas là? Si leur couple sans tonton pas marché. Pascal et tonton Laurent. Voilà. On a un peu vos parents de cœur. Comment vous vous appelez? Brittany. Brittany. Donc vous avez quel âge, Brittany? 17. C'est la folie, la ressemblance que vous avez entre vous. Le bébé de la reconquête. Ah, ouais. Ah mais grave. Bon, alors. Des yeux de papa. Oui. Oui. On a une mauvaise nouvelle et puis une très, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé quand le rideau s'est ouvert et... La vie a repris et il a tenu ses promesses. Il a tenu ses promesses? Oui. C'est tellement rare, un homme qui tient ses promesses, que ça vaut le coup de le dire. Eh bien, lui, il était exceptionnel, mon homme, et il a tenu ses promesses. Il a tout changé. Il a réussi, parce que vraiment quand on est d'un tempérament nerveux, jaloux, anxieux comme ça, c'est difficile de changer. Avec du temps, mais parce qu'après, on a beaucoup, beaucoup discuté. Tous les jours, on discutait. Et tout était reparti comme avant, même encore meilleur qu'avant. La preuve? Je suis née. Voilà, l'amour, c'était... Le cadeau de l'amour. Oui, c'est ça. C'est la preuve qu'il a changé et que c'est devenu un homme meilleur. Il vous a dit « je changerai », c'est-à-dire qu'il n'a plus fait de scène de jalousie? Plus de scène de jalousie, je pouvais sortir, m'habiller comme je voulais, me maquiller, me coiffer, enfin, ce que je voulais. Mais il vous disait à l'époque que ce qui s'est passé chez Bataille et Fontaine, ça a été un électrochoc pour moi? Ah, pour lui, oui. Oui. Ça lui a permis de passer cette étape, de dire « bon, là, j'ai fait une erreur, je la change ». Et il l'a changé. Il dit un truc qui est très beau dans l'émission, il dit à un moment donné... ce sera jusqu'à la mort. Oui, et ça l'a été. James nous a quittés, malheureusement. Vous il y a 9 ans maintenant. Oui. Il y a 9 ans. Jusqu'à la fin, oui. Jusqu'à la fin, la dernière minute, dernière seconde. Il n'a parlé que de ses enfants, que de sa femme. Je les aime, mes enfants. Je vous aime, je vous aime. Et il a combattu pour ne pas partir, mais il est parti. On sent dans le regard et
dans l'attitude de Britannique, en tout cas, elle est fière de ce papa qu'elle a eu. Et même ses autres enfants sont très fiers. Cette séquence, vous la regardiez ensemble après ou plus jamais? Oui, ensemble, oui. Ensemble, oui. Ouais. Ouais. Ensemble, oui. Après, quand il est parti, j'y arrivais plus. Ouais. C'était trop compliqué. Mais ensemble, oui, 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 même les enfants, ils étaient trop fiers de tout le temps la regarder. Ah, parce que vous, vous êtes jeune. Mais ça veut dire que vous êtes en fait partie de la génération digitale, évidemment. Vous avez découvert, j'imagine qu'il y a de vos amis qui découvrent aussi cette séquence de vos parents. Oui. Qui font une reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on peut y avoir accès facilement. Vous avez échangé avec des copines, des copains sur cette oui. séquence? Ah oui, j'en ai parlé à mes meilleurs amis et ils étaient tous surpris, ils avaient tous les larmes aux yeux. Ils disaient, c'est un homme capable, ça, c'est un homme qui veut changer. Ils étaient tous fiers et ils ont même pleuré à la fin. J'ai trop fière de le montrer. trop fière de montrer mon père, surtout, et ma mère. Vous êtes, et ça nous fait d'autant plus plaisir de vous recevoir ce soir et de découvrir, Britannique, l'exemple que ça peut fonctionner, oui. qu'on peut s'amender, mmh. qu'on peut changer, qu'on Tout peut se modifier son comportement dans un mmh. couple et reconstruire quelque chose de solide. Ah, mais complètement. Et que James en a été effectivement la démonstration, l'exemple. Oui. Donc oui. il y a eu vraiment un avant et après, en fait. Complètement. On a même déménagé, on est parti loin pour loin de la famille, vraiment pour. Là, vous avez appelé votre fille la quatrième Britannique. Vous auriez oui. eu un garçon, vous auriez pu l'appeler Laurent. Quand tu vois la beauté de Britannique, tu te doutes qu'ils n'ont pas pensé à toi quand ils l'ont fabriqué. En tout cas, vous avez une jeune fille de 17 ans qui est vachement construite et mûre oui. et oui. Est oui. formidable. Oui, oui, c'est vrai que la perte de leur papa les a fait mûrir plus vite que. Les trois grands vont bien aussi? Les trois grands vont bien. Il est né et maman d'une petite fille. Donc déjà grand-mère? Eh oui. Trop bien. Le plus beau métier du monde. C'est ça. Nous, on régale. Bon, nous, on est toujours contents quand il ouais. y a que la vérité qui compte a servi à quelque chose. Et pour le coup, oui, là, c'était ça... le cas, vraiment. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout grâce à James et à vous, parce qu'on avait compris dès les premières minutes où on vous a découverte que ouais. Vous étiez aussi la femme qu'il méritait de ne pas perdre. Et qu'il avait bien raison de se battre pour vous garder. C'est ça. Ouais. Il le dit d'ailleurs plein de fois. Oui, oui. Béatrice, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. On va se quitter. Je vais juste passer un petit bonjour. J'ai promis à mes collègues de travail, Angélique, Céline et Isabelle, de leur faire un coucou. Donc Angélique, voilà. Céline et Isabelle. Et ma meilleure amie Chris. Chris, bien sûr. Et elle m'a aidé à surmonter. Tout ça? Le décès de votre mari. Le décès de mon mari. Voilà, je voulais la remercier. On les embrasse tous et ils sont les bienvenus dans le public. D'ailleurs, ouais. que la vérité qui compte, s'ils veulent venir. Béatrice Britannique, ouais. ce fut un plaisir de vous recevoir ce soir. On est très heureux d'avoir participé à tout ça. Merci. Merci de nous avoir invités. Ouais, c'est normal. Un hommage à lui et merci beaucoup. Salut Britannique. Merci beaucoup. Allez, bon parti, bras dessus par là. Ouais, merci. Et on se retrouve dans 20 ans. Allez, ouais. C'est le moment, Laurent, de se séparer pour ce soir uniquement. Bien évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine. On va Qu'est-ce dire, qui vous fait rire, au Rebecca? Au revoir à nos petits copains de la loge. De au revoir. Ça me fait rire, ça me fait un peu de peine en même temps, mais je sais que je vous retrouve bientôt. Bon. Qu'on vous retrouve bientôt. Mais on vous fait boire dans la loge, les deux, là, toute la soirée? Avec modération, j'espère. Mais non, pas une goutte. Bon. Vous repartez sur les routes, oui. Rebecca? Oui, oui. Ben, je ne vais pas tarder, d'ailleurs. Quelques invitations. Et Sam, vous surveillez bien le couloir. On en profite pour vous dire à vous tous qui nous regardez avec fidélité que vous aussi, vous pouvez venir sur ce plateau dire une vérité à quelqu'un, faire une invitation pour une déclaration d'amour, pour des retrouvailles, pour une reconquête amoureuse ou encore un remerciement. Voilà, vous êtes les bienvenus. Les coordonnées s'affichent en ce moment même en bas de l'écran. Et notre équipe est à votre service. Voilà. Bisous Sam, bisous Rebecca. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. On se retrouve la semaine prochaine sur C8, même jour, même heure. Et évidemment, même émission. Bonne soirée, soyez heureux.